Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ce webinaire consacré au sport scolaire. Nous avons vécu deux années compliquées à cause de la pandémie avec des pratiques sportives, physiques, un petit peu dénaturées, il faut bien le dire. Une période qui a été extrêmement difficile à vivre pour les établissements et les professeurs de PS et les chefs d'établissement aussi, bien sûr, ne les oublions pas. Les derniers chiffres sont plutôt encourageants puisqu'on voit que le nombre de licenciés a grimpé de façon assez importante au point de, parfois même, on l'a su cette semaine, dépasser les chiffres de l'an dernier dans le 93 par exemple. Donc on est dans une dynamique plutôt encourageante et pour autant cette dynamique ne peut pas nous faire oublier aussi une sorte de disparité géographique, puisque c'est en fonction de notre académie, il y a des particularités géographiques qui sont à prendre en compte, mais aussi des particularités au niveau des publics. On sait que si les collèges ont repris vraiment une dynamique importante au niveau du licenciement, c'est vrai qu'il y a quelques points qui sont encore à travailler sur les lycées. Voilà, donc on a décidé, en partenariat avec l'UNSS, l'inspection pédagogique a décidé en partenariat avec l'UNSS d'organiser ce webinaire pour essayer de trouver des pistes qui vont vous aider à dynamiser vos AS et puis essayer de voir ensemble comment on peut partager les bonnes expériences, voir si on peut trouver des voies de progrès. Et en ce sens, on a demandé à un certain nombre de chefs d'établissement et de collègues, profs de PS, mais aussi au service de l'UNSS, de venir témoigner sur leur expérience et essayer de voir ensemble si, effectivement, il y a des choses qui peuvent être transposables dans vos établissements. Donc notre souhait ce soir, c'est vraiment d'être dans le positif, c'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer de faire en sorte que on soit force de proposition et que pendant ces deux heures que nous allons passer ensemble, qui vont être deux heures, nous l'espérons, très remplies et très riches, vous puissiez repartir avec plein d'idées. Voilà. Vous aurez l'occasion de poser des questions pendant ce webinaire, puisqu'en direct, le chat vous permet de poser des questions. Nous avons recueilli déjà près de 200 questions, 180 pour être précis, 200 questions sur l'ensemble des thématiques que nous allons traverser ce soir et que je vais vous présenter tout de suite après. Mais je voudrais d'abord et avant tout donner la parole à nos trois personnalités qui nous font le plaisir et l'honneur d'être ce soir avec nous. Monsieur le recteur, monsieur Auverlo, recteur de l'Académie de Créteil, monsieur Olivier Giraud qui est directeur national de l'UNSS et François Micheletti, IGESR, qui nous font tous les trois le plaisir d'être avec nous et je vais sans tarder donner la parole à monsieur le recteur. Merci beaucoup. Donc c'est quelque chose de très original qui est en train de se passer puisque moi je n'ai pas souvenir d'avoir participé à un événement de ce genre où on traite du sport scolaire avec à la fois l'inspection générale, l'inspection pédagogique régionale, le directeur national de l'UNSS et le directeur de l'UNSS dans l'Académie de Créteil. Donc c'est une manifestation tout à fait originale dans laquelle nous allons aborder toutes les questions relatives au sport scolaire. Alors je voudrais que vous reteniez le chiffre du jour. Le chiffre du jour c'est 480. Pourquoi 480? Parce que pour le sport dans l'Académie de Créteil, c'est quatre entrées. Le sport santé, et c'est indispensable vu ce qui s'est passé avec le confinement, mais nous fabriquons aussi beaucoup de jeunes trop sédentaires. C'est la pratique sportive, quel que soit le moment où elle se place, à l'école, dans le cadre du sport scolaire, mais aussi dans les clubs. C'est le sport comme vecteur d'éducation et vecteur de citoyenneté, ça c'est la troisième entrée. Et puis, c'est aussi l'entrée vers le haut niveau et vers la conquête des médailles. Et ça me donne donc la possibilité d'aller vers le 8. Qu'est-ce que c'est que le 8? C'est l'octogone olympique de l'Académie de Créteil. Pour nous, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, c'est 8 entrées sur lesquelles nous travaillons tous ensemble et dans lesquelles les établissements sont fortement impliqués. Les 8 entrées, c'est quoi? La santé des élèves, c'est le premier. Ensuite, c'est la continuité entre le scolaire, le périscolaire et l'extrascolaire.
Ensuite, c'est le sport performance, en particulier avec la formation des athlètes que nous avons à la fois dans nos établissements scolaires à INSEP, mais aussi avec les sections d'excellence sportive. C'est également le développement des valeurs positives du sport, avec tout ce que ça entraîne en termes d'effort, de courage, de coopération, de collaboration. C'est le lien avec la culture, parce que nous sommes en train de développer en même temps que les Olympiades sportives, les Olympiades culturelles. C'est aussi le sport et l'emploi, puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques vont générer un nombre d'emplois dans le domaine des métiers du sport, mais aussi dans tous les métiers connexes, dont l'accueil et le tourisme, avec un nombre d'emplois donc considérable. C'est l'engagement de tous, parce que dans la Académie de Créteil, il ne faudrait pas que les Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien, ça se passe en dehors de nos élèves. Hein. Et puis enfin, c'est le sport inclusion, avec la dimension paralympique qui est absolument essentielle à nos yeux. Et puis le 1, c'est quoi? Alors comme je suis à côté d'un handballeur, eh bien le 1, c'est le ballon. Et pour un gamin qui fait du hand, eh bien le ballon, que ce soit dans le temps scolaire avec le maître de la classe, que ce soit avec un intervenant extérieur, que ce soit dans le cadre du sport scolaire, que ce soit dans le cadre du club, eh bien c'est toujours le même ballon. Sauf que c'est à nous, eh bien, de faire qu'il y ait que ce ballon, eh bien, il y ait un trait d'union entre tout ce que nous représentons en termes d'institution, de telle sorte que, eh bien, nos élèves bénéficient de notre accompagnement coordonné à tous. Alors, Patrick l'a dit, ça a été 2 années difficiles, hein, et je me souviens des réunions avec Cédric qu'on avait dans le bureau, où en fait notre sujet, c'était de maintenir opérationnel l'outil pour le jour où ça reprendrait. C'est-à-dire que pendant plus d'un an, et les profs de PS ont vécu ça aussi, ça a été le désert des Tartares. C'est-à-dire on maintenait l'outil en marche de telle façon que le jour venu, on puisse repartir. Alors, suivant les vagues, il y a eu des espoirs, des moments de moindre espoir, des moments d'un peu de pessimisme. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement reparti. Donc, je voudrais remercier tous les personnels de direction qui sont là et nous allons répondre à toutes leurs questions, remercier tous les participants à cette journée et dire que l'Académie de Créteil, eh bien, elle a un projet académique qui s'appelle Autonomie et Mobilité et je souhaite absolument que les associations sportives soient pleinement intégrantes de ce projet académique. Merci, monsieur le recteur. François ? Alors, merci, monsieur le recteur, alors, de votre accueil dans votre académie et c'est vraiment avec un grand plaisir que je participe à ce webinaire, accompagné effectivement de M. Olivier Giraud, le directeur national de l'UNSS, Cédric Sévère en sa qualité de directeur du service régional, et puis Bruno Rebel et Patrick, les collègues IAIPR EPS. Alors effectivement, j'ai répondu vraiment favorablement à cette invitation parce que le sport scolaire est une offre de formation originale, spécifique à notre système éducatif, il faut vraiment se le dire, et c'est une vraie chance pour notre système éducatif que d'avoir cette offre de formation physique, sportive, mais au-delà de la dimension physique et sportive, il y a aussi tout un pan, et monsieur le recteur l'a très bien dit, autour de l'éducation à la responsabilité, parce que ce sont près de 110 activités physiques, sportives, artistiques qui sont proposées à l'échelle nationale, mais c'est aussi beaucoup d'autres missions qui sont offertes aux élèves, et notamment le rôle de jeune officiel, de jeune organisateur, d'éco-délégué, de jeune reporter aussi, et toutes ces missions-là à l'échelle de l'UNSS, mais aussi et surtout dans les établissements scolaires, parce que le sport scolaire, c'est bien entendu l'affiliation à une fédération que vous représentez, M. Olivier Giraud, en tant que directeur national de l'UNSS. Mais c'est aussi le pendant scolaire, l'association sportive dans les établissements scolaires, pendant la pause méridienne, le soir par moment, le mercredi après-midi. Donc ce sont à la fois des rencontres, des compétitions UNSS. Mais quand on parle aussi de développement du sport scolaire, ce sont des projets d'associations sportives qui sont vraiment ancrés dans les projets d'établissement. Et monsieur le recteur en parlait tout à l'heure dans le cadre du projet académique. Il souhaite effectivement que les associations sportives soient véritablement ancrées dans le projet académique et bien entendu dans les projets d'établissement. Et on avait un échange au préalable ensemble. Le sport scolaire en général doit aussi contribuer à réduire les inégalités sociales face à la réussite scolaire. Et c'est aussi et surtout un levier de réussite scolaire.
Je ne ferai pas trop long, mais je tiens aussi à remercier à la fois la direction nationale de l'UNSS, parce qu'on a parlé effectivement de chiffres plutôt très favorables, la direction aussi, le service régional de l'UNSS, parce que le sport scolaire, vous l'avez très bien dit, monsieur le recteur, c'est la coordination de différents acteurs nationaux, en territoire, hein, effectivement, nos services régionaux, nos services départementaux, nos coordonnateurs de district prof de PS, qui font aussi un boulot considérable, mais aussi et surtout ce qui se fait sur le terrain. Et bien entendu, aujourd'hui, nous avons les chefs d'établissement, présidents de l'association sportive de leur établissement, et nos 40 000 professeurs d'éducation physique et sportive, qui ne sont pas des professeurs certifiés, je tiens à le rappeler, ce sont des professeurs d'éducation physique et sportive dont les obligations réglementaires de service intègrent obligatoirement les 3 heures forfaitaires consacrées à l'encadrement, à l'organisation et au développement de la pratique sportive dans le cadre de l'association sportive de leur établissement. Un chiffre, 40 000 profs de PS, c'est 120 000 heures d'association sportive offertes à nos élèves par semaine, ce qui est considérable. Donc on voit bien, hein, pour reprendre vos propos, effectivement, on voit bien que c'est un espace de pratique qui doit permettre à des élèves de s'épanouir sur le plan de la pratique physique, mais bien au-delà de s'épanouir. Et puis, c'est aussi un levier d'acquisition des valeurs de la République. Hein, donc c'est vraiment un espace qu'il faut protéger. Et je crois que là, tout autour de la table, et vous qui nous écoutez, vous êtes les principaux défenseurs du développement du sport scolaire. Voilà. Merci, monsieur Giraud. C'est toujours assez spécial de passer le troisième parce que au final, nos deux orateurs ont pratiquement tout résumé, monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur. Pour moi, tout simplement, c'est la plus belle fédération qui existe. Je me suis posé la question pendant très longtemps parce que je suis issu de cette fédération. Ma première licence était une licence UNSS. Pourquoi la belle endormie ne prenait pas plus de place que ça? Et tout simplement, j'ai compris à mon arrivée la complexité que beaucoup des professeurs se demandaient pourquoi quelqu'un du mouvement sportif venait à l'intérieur de l'éducation nationale, à ce poste très important de directeur national de l'UNSS. Mais justement, mon arrivée, je ne serai, c'est ce que j'ai dit à tous les professeurs, je ne serai jamais vous. Cette compétence, c'est vous qui l'avez. Mais le vrai problème que je me posais déjà à l'époque, c'était il y a un savoir-faire incroyable. Je me posais la question, comment se fait-il qu'une fédération qui ne communique pas plus que ça arrive à générer 1 200 000 élèves sous licence? Je m'en posais la question. Bien sûr, j'ai récupéré ce poste au moment de la pandémie. J'ai pu évaluer aussi pendant la pandémie ce qu'ont fait les acteurs de l'UNSS pendant cette pandémie. Bien sûr que c'était très, très dur. Et que certains, on a eu des retours, étaient à deux doigts de se dire qu'ils allaient abandonner. Mais ce travail qui a été effectué, c'est celui qui nous a permis à notre arrivée d'avoir la bonne base pour pouvoir redémarrer beaucoup plus vite que les autres. Et c'est vrai qu'au mois de février m'a été posée cette question, est-ce qu'on appuie sur le bouton pour redémarrer? Est-ce qu'on envoie ce mail? On a préparé un protocole interne aussi qui nous ressemblait. Et ça, la direction nationale, au sein de la direction nationale, je remercie les éléments qui ont travaillé dessus. Et on a bien fait d'appuyer sur ce bouton parce que c'est reparti très vite. Et le fait d'avoir travaillé pendant tout ce temps pratiquement à l'invisible avec les élèves, eh bien, c'est ce qui permet aujourd'hui de dépasser énormément de fédérations qui n'ont pas fait ce travail-là. Et qui aujourd'hui se pose la question pourquoi l'UNSS a autant d'élèves. C'est que ce travail, c'est un travail de qualité qui est fait depuis longtemps et que la différence entre le savoir-faire, c'est la première chose qui est obligatoire. Mais le faire savoir aujourd'hui, c'est la deuxième étape que doit franchir notre fédération. Nous devons communiquer sur qui nous sommes, qui sont ces encadrants. Parce que si on demande aux parents ce qu'est l'UNSS, ils ont l'impression que ce sont des éducateurs sans dénigrer, moins formés, qui occupent le temps de leurs enfants. Non, la particularité de cette fédération, et vous l'avez justement dit, nous préparons aussi des citoyens. C'est-à-dire que c'est la matière de la République que nous avons. Donc c'est de l'éducation par le sport et du sport par l'éducation. Ce qui n'empêche pas, parce que une des peurs que j'ai pu observer, c'était que l'extérieur vienne à nous. Moi, ma position, c'est
nous allons aller vers l'extérieur. Mais nous devons montrer toutes nos qualités et l'importance de la formation que nous apportons. Aujourd'hui, il manque 7000, via l'AFCAM, 7000 arbitres aujourd'hui. Ce qui s'est passé durant la gymnasiade, il y avait beaucoup d'arbitres internationaux de sport qui étaient là. Et qu'ils étaient étonnés que nos jeunes arbitrent ces matchs internationaux. Et certains ont voulu refuser. Nous avons appuyé. Et à la fin, ils ont eu des certifications internationales, ces enfants. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, nous sommes la solution à énormément de choses et que ça a été travaillé bien en amont, bien avant moi. Mais aujourd'hui, nous allons retisser, et vous l'avez dit, des relations très fines, territoire par territoire, parce que chaque territoire est différent, chaque territoire a des besoins différents, et qu'en fait, le rôle du directeur de l'UNSS, c'est pas de faire des programmes pédagogiques, j'en ai pas les compétences. Aujourd'hui, ce qui est réuni, les gens qui sont réunis autour de cette table, il manque les professeurs, il manque encore d'autres acteurs, c'est une des plus grandes forces intellectuelles, culturelles, sportives que nous pouvons avoir. Et vous l'a dit, monsieur le recteur, nous sommes en train de décloisonner. Et que nous étions forts, vous étiez forts avant, mais j'ai cette assurance aujourd'hui que nous serons plus forts encore demain. Et en tout cas, une chose que je peux vous assurer, c'est que quelque chose a changé, c'est que nous sommes déjà perçus différemment par l'extérieur et nous devons continuer dans ce sens-là. Merci, M. Giraud. Bruno, au titre de l'inspection pédagogique. Eh bien, tout d'abord, l'inspection pédagogique régionale, vous remercie infiniment, monsieur le directeur national, monsieur l'inspecteur général, monsieur le recteur, d'être venu nous accompagner pour soutenir les associations sportives qui ont énormément souffert. Alors, l'UNSS était en stand-by, a préparé la reprise de manière formidable, mais pendant 2 ans, eh bien, les associations sportives, les chefs d'établissement, les enseignants que nous remercions infiniment, eux ont eu à gérer au quotidien des fermetures de gymnases, des interdictions de proposer des sports de contact, les sports d'opposition, donc distanciation, et surtout interdire les brassages, c'est-à-dire les croisements entre les classes, qui est le fondement même du fonctionnement des associations sportives. Donc un grand merci. Les activités sont reparties de manière formidable cette année. On a eu la première année 2020, on a perdu 20 000 élèves, donc c'était énorme. La deuxième année, on a réussi à reconquérir jusqu'à 76 000 élèves licenciés. Alors là, UNSS plus UXL, parce que le privé aussi licencie des élèves dans la fédération scolaire. Et on a une reprise qui est correcte. Au mois de juin, nous avions encore 6% d'élèves en moins. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est-à-dire accompagner tous les établissements, ceux qui sont repartis de plus belle et qui fonctionnent de manière absolument formidable aujourd'hui parce que les élèves sont là, ceux qui ont des conditions locales qui font qu'ils n'ont pas pu reprendre complètement parce qu'effectivement c'est difficile, comme le disait Patrick en introduction, les lycées n'ont pas du tout les mêmes problématiques que les collèges, même si collèges aussi ont été impactés, ont eu énormément de mal aussi à reprendre. Donc on a une dynamique qui est repartie, mais on est là pour accompagner, pour faire beaucoup de propositions, comme c'était dit tout à l'heure, très concrètes. Donc tous les personnes qui sont à l'écoute de ce webinaire ne vont pas trouver en permanence des éléments utiles, mais nous avons souhaité en tout cas systématiquement que ce soit concret, pratique, et que vous puissiez trouver des éléments qui vous permettent d'aller encore un peu plus loin dans votre association sportive. Et je remercie infiniment l'UNSS, avec qui nous collaborons de manière magistrale, aussi bien la direction régionale que les trois directions départementales, et qui nous permettent de travailler ensemble et d'aider, d'accompagner pour que les enfants puissent effectivement bénéficier de ce magnifique outil qui permet un engagement citoyen, de prendre des responsabilités comme peut-être nulle part ailleurs. Voilà. Eh bien, toi, Cédric, au titre de l'UNSS, donc. Alors oui, tout à fait. En effet, on a remarqué au-delà, enfin, avec ces chiffres, que la reprise, elle est bien engagée. Et on le remarque aussi à travers les rencontres inter-établissements, à travers les réponses qu'on a du terrain, de vouloir participer à ces rencontres, aux compétitions, à travers tous les projets en fait qu'on peut proposer et qui ont des retours très favorables de la part des enseignants et des équipes. Et donc ça, c'est
c'est un indicateur qui est très très positif et qui montre que vraiment c'est engagé et c'est bien reparti. Et l'enjeu justement de ce séminaire et de la période à venir, c'est de l'ouvrir davantage en fait cette reprise et que ça puisse toucher tous les établissements, toutes les AS, notamment celles qui ont encore des difficultés en fait à se relancer. Voilà. Donc c'est de s'adresser à eux vraiment tout particulièrement. Alors on a développé, je vais être assez bref, mais on a développé beaucoup de stratégies, d'outils, de dispositifs pendant le Covid, mais aussi là depuis la reprise. On les a développés pour justement accentuer, favoriser, accompagner le développement des associations sportives et accompagner justement leur dynamisme pour répondre au mieux à leurs besoins, que ce soit sur des besoins d'accessibilité, d'inclusion, sur des besoins de développement de l'engagement. En fait, on a tout un nombre de dispositifs qui sont mis en place et qui sont opérationnels avec l'ensemble des services UNSS du territoire. Donc là, l'enjeu justement de ce séminaire, ça vise, et ce qui va être traité au cours de ces deux heures, c'est de présenter tous ces dispositifs, tous ces leviers qui permettent de développer et dynamiser le sport scolaire, les présenter et de les partager à l'ensemble donc des acteurs du sport scolaire, des associations sportives, pour qu'elles puissent pour mieux vous accompagner dans votre développement. Voilà, donc tous ces outils sont accessibles, ils sont pour vous. Maintenant, il faut vous en emparer et n'hésitez pas. Alors, que ça soit rapidement sur du prêt de matériel, on met à disposition du matériel. On a développé des formations des professionnels, des formations pour les enseignants d'EPS en complémentarité de l'EPS, donc des formations très spécifiques. On a des projets, enfin, on a plein d'appels à projets qui sont accessibles en deux clics sur le site internet et qui permettent justement de développer, de vous accompagner dans le développement de vos associations sportives. Voilà. Merci Cédric. Alors donc, on va maintenant passer aux différents ateliers. On a souhaité retenir deux grandes thématiques. La première est une thématique qui est dédiée à l'administratif et au juridique. Je ne vous cache pas que nous avons eu beaucoup de questions sur le plan juridique, énormément de questions. On a déjà commencé un petit peu à en parler avec la notion de forfait, mais il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc on va consacrer ce premier temps de nos débats au travers de cette question juridique et administrative. Et puis ensuite, on ira vers un versant beaucoup plus pédagogique où on essaiera de voir, avec des témoignages dont je vous parlais tout à l'heure, de chefs d'établissement et d'enseignants qui viendront donc témoigner de leur expérience et montrer comment ils ont réussi à faire revivre leur association sportive après cette période difficile. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer au plateau suivant. Et pour passer au plateau suivant, nous lançons une petite vidéo. Nous avons choisi le témoignage d'un chef d'établissement qui est venu donc témoigner sur son rôle de président d'AS. La vie de l'association sportive dans les établissements est un engagement collectif des parents, des élèves, des personnels et de la direction. Donc il y a plusieurs échéances au sein d'une année sportive qui sont de nature à encourager la pratique. Il y a un certain nombre d'échéances comme la journée nationale du sport scolaire en début d'année où c'est l'occasion pour les personnels de faire en sorte de présenter les activités, il y a plusieurs activités, et de permettre aux élèves à cette occasion de pouvoir faire leur choix et de programmer la pratique. Alors un des principes c'est l'organisation sur le temps scolaire pour laisser de la place à l'association sportive. Au campus de Drancy, on a fait le choix de libérer toutes les secondes générales le mercredi après-midi pour leur permettre de réaliser l'action qu'ils veulent. On a privilégié les secondes et pour les autres, donc la plupart sur le mercredi, et il y a d'autres créneaux qui se trouvent être le soir.
ou sur la pause méridienne qui permettent aux élèves qui le souhaitent des premières et des terminales de pratiquer comme ils le souhaitent l'activité de leur choix. La communication de cette association assez particulière qui fait que le président de l'association n'est pas élu mais un membre de droit, la communauté éducative. Il existe plusieurs modes de communication. Il y a la communication descendante avec notre institution, des incitations, des mails et des rendez-vous menés toute l'année. Mais il y a aussi la communication en interne. En interne avec l'affichage, avec sur les vecteurs de communication habituels que sont l'ENT, le Pronote et les panneaux d'affichage. Il y a aussi une manière de pouvoir exister, d'incarner cette vie associative, c'est toutes les échéances dans le cadre de des instances comme le conseil d'administration, premier CA de l'année où on indique dans le cadre du programme d'action, on indique les activités de l'association. Et au dernier CA de l'année, quand on fait le bilan pédagogique, eh bien, on revient sur l'aspect qualitatif et quantitatif sur toute l'année. C'est des décisions qui sont importantes, qui permettent à cette association d'exister parce qu'elle a des comptes à rendre au conseil d'administration. Alors, à partir de cette journée nationale du sport, où c'est un peu le prétexte pour l'ensemble de la communauté éducative d'être tous en survêtement, c'est le cas aussi de la direction qui sait pouvoir montrer l'exemple dans ce moment-là pour pouvoir incarner le sport scolaire. Je crois que cet engagement est quelque chose d'important pour la vie de l'association. C'est la raison pour laquelle les adultes aussi peuvent être investis et licenciés ainsi que les membres de la direction dans le cadre de la communauté avec les élèves et de la pratique commune avec les élèves. Opus, c'est une plateforme qui permet aux chefs d'établissement de suivre l'administration des licenciés, de le comparer avec l'année d'avant, de voir filles-garçons, de voir les engagements sportifs des uns et des autres. Alors, vient maintenant l'administration purement de l'association. Il s'agit de la faire vivre comme une association loi 1901. Elle a des statuts, il y a un bureau, il y a une assemblée générale, il y a une vie avec un représentant, donc un vice-président éventuellement, un trésorier. Et c'est bien d'y impliquer les élèves, les parents d'élèves. C'est une vraie opportunité auprès de la communauté éducative. Soyons tous investis au service du sport scolaire. Soyons sport. Alors le premier plateau donc concerne toutes les questions administratives et juridiques. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu beaucoup de questions à ce sujet. Et bien évidemment, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de répondre à toutes, mais vous aurez la possibilité de revenir sur le site EPS et sur le site de l'UNSS, puisqu'on a l'intention de mettre un certain nombre de ressources et peut-être même essayer de répondre plus largement aux questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre ce soir. Voilà. Donc c'est simplement pour vous inviter après à regarder un petit peu sur nos réseaux et sur notre site. Alors, on va traverser ces questions juridiques et administratives au travers de trois questions. Et nous avons pris l'option ce soir d'avoir trois visions différentes par rapport à ces questions-là. Une vision donc qui est plutôt, on va dire, administrative, mais en tout cas, comment dire, au niveau de l'inspection pédagogique, et puis une vision UNSS également, parce que c'est intéressant aussi d'avoir une réponse à des questions qui sont juridiques d'un point de vue vraiment de l'UNSS, et enfin le point de vue du chef d'établissement, président des AS. Voilà, donc je voudrais vous présenter mon collègue Jérémy Puot, donc IAIPR-EPS, nouvellement nommé dans l'Académie. Bonjour à toutes et tous. Marie-Céline Courtet, donc de la Direction nationale de l'UNSS. Bonjour. Qui est en charge de des questions justement juridiques et administratives. Et monsieur Bruno Bobkevitch, proviseur, mais que tout le monde connaît puisqu'il a déjà été dans deux des webinaires de l'Académie de Créteil, proviseur à Berlioz, à Vincennes. Bonjour. Alors, la première question pour entrer dans le vif du sujet, je vous la pose et puis vous intervenez dans l'ordre que vous le voulez, il n'y a aucun problème. Comment peut-on renforcer le rayonnement de l'association sportive et engager les adultes dans cette vie associative?
Alors, qui se propose de commencer à répondre à cette question ? Peut-être commencer d'abord par vous rappeler une toute petite définition. C'est que quand on parle d'association sportive, le premier terme, c'est association. Et qui dit association dit en définitive que c'est une forme structurelle assez souple par rapport à d'autres formes qui peuvent exister en droit français. C'est une forme facile, mais c'est une forme facile aussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux textes qui la gouvernent. Il y a un premier texte qui est la loi du 1er juillet 1901, que tout le monde connaît par son raccourci loi 1901 ou loi association. Et puis un second texte qui est là plus personnalisé, ou en tout cas qui peut être personnalisé, qui sont les statuts de l'AS, les statuts de l'association. L'association, en définitive, ça se définit donc par une relation contractuelle. C'est un contrat entre plusieurs personnes qui ont envie de mettre en commun un certain nombre de moyens et qui permettent de répondre à des objectifs. Ça, c'est une première définition. Et puis une deuxième définition, où en définitive, l'association correspond à une personne de droit moral qui a des droits et des obligations et qui donc vit au quotidien. Une fois qu'on s'est dit ça, en définitive, la question, celle que vous nous posez aujourd'hui, est de savoir comment on fait rayonner et comment on engage des adultes autour de cette association. Et bien, je dirais que la première des choses, c'est qu'il faut avoir des statuts qui permettent, au-delà des règles obligatoires dictées par le Code de l'éducation, il peut y avoir aussi des règles statutaires qui permettent de préciser qu'on va accueillir des adultes au sein des différents bureaux. Ça, c'est une première chose, et donc on peut personnaliser ces statuts. Ensuite, ce qui est très important, c'est de faire vivre l'association par ses instances. Une association qui ne réunirait pas son bureau, son comité directeur, on l'appelle comme on le souhaite, en définitive, peu de décisions sont prises et elle ne va pas favoriser le développement d'un projet associatif. Mais alors, pour que les instances se réunissent, il faut-il encore qu'il y ait des gens à réunir. Et donc, le premier conseil que je pourrais donner pour dynamiser ces associations serait peut-être de faire un appel à candidature pour que des parents puissent se joindre à l'AS et comprendre quel est le projet. C'est vraiment quelque chose d'important parce que si on n'a pas ces ressources, ces personnes qui vont accompagner, en définitive, les décisions, elles restent quelque part uniquement dans le collège ou dans le lycée. C'est déjà bien, mais on pourrait les étendre. Et puis, la troisième chose qui permettrait de faire encore plus rayonner l'association serait d'avoir un projet associatif clair et défini. Alors, c'est quoi le projet associatif ? En définitive, ce sont les objectifs qu'on souhaite ambitieux pour l'association. Ces objectifs, ils peuvent être de différents ordres. Ça peut être avoir plus de licenciés. Ça, c'est un objectif assez facile. Ça peut être également le message fort de dire, moi, l'année prochaine, je veux que mon AS, elle soit non plus au niveau régional, mais qu'elle aille défendre les couleurs de l'établissement au niveau national. Et donc, mettre en place tous les moyens, on en reparlera dans les questions un peu plus tard, sur ce sujet-là. Ça peut être aussi développer le programme, on en a parlé sur le premier plateau, des jeunes officiels et de la génération responsable. Avoir plus de jeunes arbitres. Pourquoi ? Parce que ces enfants, demain, ils auront une capacité à prendre des décisions qui sera valorisée dans leurs études supérieures et dans leur vie professionnelle. Vous voyez, tout ça sont des solutions ou des premières solutions qui peuvent permettre à l'AS de rayonner un peu plus et d'engager des adultes dans le quotidien de l'AS. La dernière chose, et on en reparlera dans la question d'après sur le rayonnement, en définitive, c'est peut-être faire rayonner avec du faire savoir. Tout à l'heure a été indiqué qu'il y avait un savoir-faire incroyable dans les AS. C'est vrai. Mais est-ce qu'on raconte tout le bien qu'on fait dans ces AS ? Peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut s'emparer des réseaux sociaux de l'AS, de l'établissement, pour justement montrer ce qu'on sait faire dans l'AS. Et plus on le montrera, plus on va attirer des personnes de bonne volonté qui vont venir accueillir et qui vont venir accompagner l'AS. Sur ce dernier point, simplement, il faut savoir qu'on a envisagé d'aborder la question de la communication, donc sur la dernière partie du séminaire,
du webinaire, on va aborder ce sujet qui est un sujet effectivement important, qu'on a évoqué déjà deux, trois fois depuis le début de ce séminaire. J'ai envie de donner la parole à M. Bobkevitch pour la voix du chef d'établissement. Oui, je pense que de ce point de vue, le rayonnement de l'association sportive et le rôle du chef d'établissement dans ce rayonnement, c'est avant tout un rôle de facilitateur. C'est-à-dire c'est de créer les conditions d'organisation administrative qui vont rendre l'activité facile. On reparlera du mercredi après-midi tout à l'heure, mais d'un point de vue administratif, faciliter l'inscription à travers, par exemple, concrètement, la mise à disposition des documents très rapidement et de communication dans le dossier de réinscription ou d'inscription des élèves à l'entrée. C'est en faire, on le réévoquera tout à l'heure, la question de la communication en direction très vite des familles comme un élément de valorisation de l'établissement. Et c'est de faire en sorte que cette association sportive soit au quotidien partie intégrante du fonctionnement d'établissement. Ça veut dire, dès qu'une, par exemple, compétition a lieu de façon éloignée, eh bien faire en sorte que le fait de rater les dernières heures de cours du mercredi fin de matinée, je pense que ça parlera à beaucoup de collègues, eh bien ne soit pas un problème et soit facilité, notamment par l'équipe de direction. Et c'est, évidemment, s'appuyer sur nos outils internes pour partager les informations et notamment les résultats. Et sur la question des adultes, puisque c'est évoqué dans ce premier élément, eh bien c'est s'appuyer sur les statuts, c'est s'appuyer sur les comités directeurs pour diversifier le public qui est amené à travailler et à s'investir dans l'association sportive. L'association sportive, ça n'est pas qu'une histoire de professeurs de PS et de président. C'est aussi une histoire potentielle qui peut s'élargir à d'autres publics. C'est la place des parents, hein, par exemple, dans les comités directeurs, mais pas uniquement de façade, au quotidien, dans le relais et dans la vie de cette association. Et c'est pourquoi pas s'appuyer sur d'autres personnels et d'autres catégories de personnel qui auraient envie de s'impliquer activement dans ce type d'opération. Et je pense qu'il faut, il faut pas hésiter à le faire au quotidien. Voilà rapidement comment je vois la partie rayonnement et engagement des adultes dans la vie associative. Merci, Jérémy. J'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tous les deux, Madame Courtet et Monsieur Bobkevitch, c'est le comité directeur. Finalement, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, alors que c'est un des deux éléments qui permettent d'administrer une association sportive. Il y a l'Assemblée Générale, qu'on voit assez souvent, presque même systématiquement, et elle est faite d'une manière plus ou moins systématique dans les établissements, en début d'année, en fin d'année. Mais le comité directeur, c'est quelque chose qui est, à mon sens, trop peu exploité. Alors que si on regarde bien, si on veut vraiment engager les élèves dans une responsabilité en acte, sur un apprentissage de la responsabilité, eh bien, il s'agit de réellement le mettre en place tous les trimestres. C'est l'organe qui va permettre un certain nombre de décisions et vraiment permettre à ces élèves, aux parents, aux enseignants, de se poser les questions du dynamisme et de comment redynamiser cette association sportive. Donc c'est un tiers pour le collège, un tiers de parents, un tiers d'élèves, un tiers de chefs d'établissement et d'enseignants animateurs. Et pour le lycée, la moitié pour les élèves et un quart pour les autres participants. Et donc là, c'est vraiment un message fort. Je débute dans la carrière, comme a pu le dire mon collègue, mais quand on parle entre nous, on voit assez peu d'établissements qui mettent réellement en place ce comité directeur. Or, quand on regarde une association sportive, loi 1901, quand on regarde une association, elle vit par son comité directeur. Et donc on doit vraiment s'inspirer de ce qui permet à une association, loi 1901, sportive, eh bien, de vivre au quotidien et ne pas se contenter, j'ai envie de le dire, mais c'est souvent trop la réalité, d'une simple assemblée générale qui serait le moment où on partagerait autour de ce qu'est l'association sportive de manière plus large. Que ça sorte du bureau d'EPS, que ça sorte des échanges réguliers avec le chef d'établissement, mais que véritablement, qu'on fasse vivre ce comité directeur pour engager les différents partenaires autour de la pratique des élèves. Alors moi, ce que j'entends, c'est une structure qui permet de s'inscrire dans une action réglementée et réglementaire. Ce que j'entends, c'est aussi un engagement dans cette structure.
Et aussi, ce que j'entends, c'est une forme de souplesse aussi qui permet justement de faciliter les engagements et les actions. Ok, merci. Alors, on passe à la deuxième question, qui est une question un peu sensible, puisque nous avons eu énormément de questions là-dessus, qui est la question financière. Alors, les questions qui nous sont retombées concernant cet aspect financier sont parfois incisives, parce qu'on sent bien que parfois, ça peut être un frein vraiment à l'action associative. Et pour autant, pourrions-nous être porteurs d'une forme d'espoir par rapport à des possibilités de financières qui seraient offertes à l'AS? Donc ma question, que vous allez donc avoir, j'espère, essayer de répondre avec le plus de justesse possible, c'est: comment peut-on envisager le modèle économique de l'association sportive? Qui s'y colle pour commencer? Allez, vas-y. Prendre la parole. C'est vrai que c'est essentiel. C'est essentiel, et notamment sur cette période où on cherche à redynamiser l'association sportive, c'est de se dire que c'est le moyen de renouveler le matériel. C'est le moyen presque impératif pour pouvoir envisager une nouvelle activité, avoir une nouvelle proposition de pratique pour les élèves. C'est aussi la possibilité d'avoir de nouvelles infrastructures, de pouvoir les louer. Mais c'est également un moyen d'organiser des sorties, des déplacements, et aussi pour pourquoi pas de faire appel à des intervenants qui apporteraient une plus-value qui n'est pas présente dans l'équipe des animateurs. Mais alors, le premier levier, ce sont les fonds publics. Ce sont ces subventions. Vous allez retrouver ces listes systématiquement données sur les réunions de secrétaires, à la fois par le service régional, mais aussi par les différents services départementaux. Et c'est important de s'emparer de ce que propose au niveau du compte asso, l'ANS, les fonds de solidarité, nombreux, à la fois académiques, UNSS, régional, départemental, mais aussi territoriaux. C'est aussi se rapprocher des communes, des collectivités territoriales, des départements. Ça, c'est un versant trop peu exploité. Et se dire que finalement, on rentre à l'équilibre avec ses propres moyens, c'est quelque part... On peut voir plus loin, parce qu'avec cet argent, avec ces moyens, on va véritablement pouvoir aller vers d'autres pistes, d'autres interventions. Et peut-être le deuxième versant, un peu sur toujours des fonds qui seraient donnés par... qui seraient de nature à être des fonds publics, on a un certain nombre de coupons, des coupons sport, les coupons de la CAF. En Seine-Saint-Denis, on a le passeport 5e. Autant d'éléments qui, additionnés, on le voit bien, vont vraiment pouvoir apporter au modèle économique de l'association sportive une autre envergure. Simplement, je me permets d'intercéder là, simplement, est-ce qu'on peut envisager aussi quelque chose qui serait de l'ordre de la mutualisation du matériel? Parce que on n'y pense pas souvent. Enfin, moi, dans mes visites dans les établissements, je vois peu d'établissements qui partagent localement du matériel. Et pour autant, il suffirait d'établir des règles de fonctionnement pour alléger le financement des activités. Enfin, je ne sais pas, mais ça pourrait être une piste aussi. Si je peux permettre de répondre, c'est pourquoi ne partager que le matériel? C'est-à-dire, à un moment donné, la question peut se poser bien plus largement que le partage de matériel. C'est le partage potentiel des activités au sein d'associations sportives et d'équipes proches. Hein, ça, la question peut se poser, se pose... malheureusement, je pense, trop peu souvent. Hein. Donc on a de gros déséquilibres, et ça fera un lien avec le modèle économique, entre des associations sportives qui vivent très bien, qui ont des adhérents nombreux et qui financièrement se portent très bien, et on a à côté de ça, on le sait tous, des associations sportives qui ont du mal à fonctionner de par un public particulier, un faible nombre d'élèves structurels dans l'établissement, et qui fait que économiquement ça n'est pas viable, de par ne serait-ce que, je suis désolé de le dire, mais peut-être aussi le financement et le forfait association sportive, qui fait qu'en dessous d'un certain nombre d'élèves, ça n'est financièrement pas viable. Hein, donc il faut le dire, à un moment donné, c'est clair, hein, en dessous d'un certain nombre de licenciés, ça n'est économiquement pas viable. Donc il faut
penser effectivement à de la mutualisation de matériel, mais aussi à de la mutualisation et des rapprochements potentiels. Là, actuellement, on sait, je crois savoir, que si des AS s'unissent, eh bien, ne peuvent pas participer à des compétitions, parce que ça n'est pas un établissement, mais des établissements. Ben voilà, il faut, je pense, être beaucoup plus souple, être inventif sur cette question, parce qu'on a des petites associations sportives qui sont en train de mourir, et il faut être souple sur ces questions et inventer de nouvelles choses, et peut-être réinterroger le modèle, surtout, je pense, des lycées professionnels qui ont des difficultés sur le nombre d'adhérents. En tout cas, s'il y a un point de fragilité, à mon avis, il est là. Moi, j'entends les chefs d'établissement qui rentrent dans la carrière, et je me dis qu'à vous écouter, ils se disent, mais alors, en termes de responsabilité, comment que ça peut se passer? Parce que moi, j'entends, j'ai une équipe de 5 enseignants dans un lycée professionnel, et puis les licenciés ne sont pas au rendez-vous. Mais par contre, j'ai l'intention de me mettre en partenariat avec le collège d'à côté qui, lui, déborde de licenciés. Comment je peux faire pour permettre à un de mes enseignants, voire même à deux de mes enseignants, d'aller dans le collège et d'animer dans le collège? Est-ce que c'est possible et dans quel cas? Non. Eh bien, ça se règle par conventionnement. Ça doit pouvoir se régler par conventionnement. Le proviseur de lycée que je suis conventionne avec le principal de collège que je suis sur de la mutualisation dans les mêmes locaux avec des enseignants mutualisés qui accueillent des collégiens pour les professeurs de lycée et des lycéens pour les professeurs de collège. Donc voilà, c'est un travail à faire. Je prends des risques avec moi-même, donc c'est facile, mais en l'occurrence, je pense qu'à l'échelle d'un district, à l'échelle d'un réseau, c'est quelque chose qu'il faut chercher à développer, se rassurer avec du conventionnement, on peut se protéger et cadrer tout ça à travers des écrits. C'est extrêmement riche finalement, parce que sur une offre de formation d'un établissement, des élèves assez proches peuvent être intéressés par cette offre et matériellement difficile à mettre en place. Le seul point de vigilance, c'est simplement que tous ces élèves aient la même licence pour avoir la même assurance. Et j'ai envie d'aller plus loin. Si on veut conventionner avec un club, eh bien, c'est exactement la même chose, le même principe, le principe d'avoir une licence identique pour avoir une assurance identique. Mais à partir de là, à partir d'une convention, tout partenariat peut être mis en place. Donc on rassure les chefs en termes de responsabilité, c'est OK. C'est compliqué de rassurer les chefs sur la question de l'association sportive, évidemment. Donc je ne peux pas vous dire le contraire, mais il faut essayer de le faire. Peut-être que pour compléter, dire qu'il y a un modèle général et il peut y avoir des modèles spécifiques. Aujourd'hui, on n'est pas armé ce soir dans cette conférence pour traiter chaque modèle spécifique. Donc effectivement, il peut y avoir des conventions. Il faut être prudent tout de même sur la responsabilité civile, administrative et pénale que porte un chef d'établissement dans le cadre de son rôle de président de l'association sportive. Tout cela se travaille, tout cela s'accompagne et les chefs d'établissement ne sont pas non plus totalement désarmés dans les prises de décision, d'autant plus quand ils prennent des décisions en lien avec les comités directeurs dont nous avons parlé tout à l'heure. La question de la responsabilité aussi liée à l'assurance est quelque chose à manier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence, parce que les garanties qui sont proposées avec la prise de licence UNSS ne sont pas identiques de celles qui sont proposées avec les prises de licence de clubs associatifs du mouvement sportif fédéré. Donc là aussi, il faut le travailler en toute transparence, et dans ce cadre-là, on pourra tous progresser. Maintenant, je voudrais revenir sur le modèle économique dont vous avez parlé. Effectivement, les subventions sont une des sources principales de revenus, mais ce n'est pas la seule. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, je pense, d'aborder ce point en disant qu'une association peut avoir une activité économique. On ne dit pas qu'une association doit toujours être strictement à l'équilibre. Une association peut aller chercher de l'argent auprès de partenaires privés. Les partenariats, ça existe. Et justement, le fait de proposer à des adultes, des parents d'enfants, des adultes de la profession, je dirais, éducative, du cercle éducatif, peuvent aussi avoir un réseau qui vous permette d'aller trouver des chefs d'entreprise locaux qui peuvent vous aider sur, avec soit un apport, et je vais en reparler, soit un apport en nature,
c'est-à-dire venir vous sponsoriser avec, par exemple, des maillots qu'on pourrait mettre à votre disposition, soit vous donner un peu d'argent pour soutenir l'activité de l'AS. Ça, c'est très important parce que, en définitive, dans une limite qui est quand même assez élevée, hein, parce que c'est plus de 70 000 euros, vous pouvez tous les ans, en franchise de base de TVA, c'est quelque chose d'assez complexe, j'en conviens, mais si vous êtes en dessous de ces montants-là, vous pouvez avoir une activité commerciale et aller rechercher un peu d'argent dans ce cadre-là. Il y a pas mal d'associations sportives qui ont compris ce mécanisme et qui viennent justement par du soutien d'entreprises locales qui viennent donner, avec une facture bien sûr à la clé faite par l'association, qui viennent, soutenir l'association en produits ou en argent. C'est important parce que si on vient vous donner de l'argent ou si on vient vous donner des produits, très clairement, vous écrasez vos lignes de charge et donc vous avez moins de dépenses et donc votre modèle économique s'en porte aussi mieux. Vous pouvez également avoir recours au mécénat ou au don, qui n'est pas la même chose que le partenariat. Mais comme les associations sportives sont dans la majorité des cas des associations qui sont d'intérêt général, elles peuvent aussi faire appel au don, et ce qui permet pour l'entreprise qui vient donner sans facture, qui vient donner et sans avoir une contrepartie, d'avoir un reçu fiscal qui permet, elle, d'avoir une petite économie d'impôt. C'est gagnant pour toutes les parties prenantes. Et ça, vous pouvez avoir, alors l'exemple assez classique, hein, c'est le boulanger local qui vient donner alors des pains au chocolat ou des chocolatines pour un goûter et qui vient justement soutenir l'activité de l'AS. Tout ça, c'est quelque chose qui existe et qui vient justement accompagner d'un point de vue économique l'AS. C'est important, il me semble, de dire que les collectivités locales soutiennent, l'État soutient, il y a des dispositifs, vous avez dit tout à l'heure, de l'ANS, etc. Mais il y a aussi les parties prenantes privées qui peuvent venir soutenir, et ça, c'est important. OK. Rien à ajouter sur ce modèle économique ? On n'a pas parlé des dons potentiels aussi entre l'établissement scolaire et l'association sportive. C'est des choses qui se pratiquent, et dans un sens et dans l'autre. Je pense notamment aux déplacements et aux voyages engendrés par des compétitions, par exemple nationales ou interacadémiques, quand ça existe. Bon, voilà, c'est des choses qui sont possibles et qui se pratiquent dans les établissements scolaires. Je voudrais aussi intervenir sur la mutualisation. C'est une très bonne idée, la mutualisation. Il faut même l'encourager. Alors, effectivement, sur du matériel mis à disposition, mais également sur des transports, sur des services. Pourquoi ? Parce qu'un bus qui va transporter une AS et qui va chercher une autre AS, en définitive, le bus va peut-être faire quelques kilomètres en plus, mais en tout cas, ça va simplifier le dispositif global et ça va permettre d'emmener plus d'enfants à la compétition. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça va limiter les dépenses de l'association. Et c'est bien là l'essentiel, ça vient soutenir là aussi le modèle économique. OK, merci. On va attaquer maintenant sur la troisième et dernière question, et après on va passer aux questions qui ont été posées en ligne. On en a déjà un petit peu parlé dans nos débats, là. C'était comment on pouvait renforcer le dynamisme d'une association sportive avec tous les leviers et tous les freins que l'on doit bien évidemment prendre en considération. Je pense à la pause méridienne, je pense à l'organisation du mercredi après-midi et notamment au niveau des lycées, qui devient de plus en plus difficile parce que on a empiété sur le samedi matin, mais forcément ça va chercher sur le mercredi après-midi. Je pense à toutes les difficultés de financement aussi, mais essayons d'être positifs et de se dire quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer vraiment pour relancer cette dynamique. J'ai envie de... on va reprendre un ordre un petit peu... Jérémy, si tu veux répondre à ça. Sur un premier élément, sur le mercredi, c'est se poser la question au niveau des lycées de ce qui pourrait être prioritaire finalement dans ce qu'on pourrait mettre en avant pour avoir une partie des classes, une partie des élèves qui le mercredi après-midi pourraient être libérés sur une année. Peut-être se dire, penser que commencer le parcours de formation au lycée en classe de seconde avec une véritable possibilité le mercredi après-midi de participer, ça peut être après sur un effet boule de neige sur la première et la terminale
terminale, l'occasion pour ces élèves-là de se réinscrire sous d'autres modalités, sur d'autres temps, d'autres moments de la semaine, mais au moins l'amorce est faite, et surtout j'ai envie de dire que la transition avec le collège devient apparente. Et c'est peut-être là, en fait, le point de vigilance. On voit bien que le nombre de licenciés au niveau de la 5e, de la classe de 5e, il y a une perte sur ce niveau d'âge. Mais en 4e, 3e, ils restent encore nombreux, et pour autant, on ne les retrouve pas au lycée. Et donc, sur ce temps-là du mercredi, il y a peut-être quelque chose à penser pour permettre cette transition. Envisager, parce qu'on le sait aussi, les élèves viennent avec pour des animateurs, pour des enseignants d'EPS connus. Or là, ce sont de nouveaux visages qu'il faut appréhender. Et donc, cette classe de seconde, c'est peut-être l'occasion de faire une véritable passerelle entre ces deux temps de l'élève et permettre après, sur la première et la terminale, quelque chose de plus désorganisé. Mais on est aussi avec un public qui se rapproche de la majorité, qui est capable de se prendre en charge et qui s'inscrira peut-être beaucoup plus facilement si on les a accompagnés dans la continuité. Alors on aura tout à l'heure des propositions sur le plateau pédagogique d'expériences justement qui ont été menées pour essayer de mettre en place des dispositifs originaux. Voilà. Donc, mais là, on est vraiment sur l'organisation administrative et juridique, hein, puisque c'est l'objet du plateau. Comment on peut justement, ben, on a parlé des subventions, on a parlé de la mutualisation. Voilà, en termes d'organisation, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être des pistes à explorer pour justement redynamiser ou dynamiser ces AS dans le cadre de la législation, en fin de compte, qu'on ne sorte pas. On a parlé tout à l'heure des conventions, voilà. Je voudrais redire un mot sur la question du temps scolaire et de l'organisation de la scolarité. Vous l'avez dit, une problématique un peu plus particulière sur la question des lycées, notamment à travers la mise en place de la réforme de lycée qui a complexifié, il faut l'admettre, même si elle a des atouts indéniables, mais en tout cas, il y a une conséquence qui est la complexification de l'organisation du temps scolaire de nos lycéens, notamment de première et de terminale. Donc c'est une nouvelle donnée qui a généré, on le sait tous, la mise en place de cours le mercredi après-midi dans des établissements là où il n'y en avait pas. Hein, donc la nécessité de mettre ce sujet au conseil d'administration, au conseil pédagogique, et donc la présence des professeurs d'EPS dans ces instances-là, elle est extrêmement importante parce que ça n'est qu'une préoccupation d'un petit nombre dans une grande masse où, en fait, en réalité, seuls les professeurs d'EPS s'intéressent à ces questions. Donc, on a des luttes internes fortes et parfois de l'obstruction à la mise en place d'activités. Donc, il faut savoir à l'interne, en tant qu'équipe de direction, notamment le soutenir. Donc, mais en tout cas, la réflexion sur quand ça n'est pas possible et quand le mercredi après-midi est perdu de par la mise en place de cours, eh bien, comment on peut faire face et comment, dans les interstices autres existants, on est capable de mettre en tout cas des créneaux, non pas de compétition évidemment, puisqu'ils sont figés, mais en tout cas d'entraînement d'activité. Plein d'élèves feront de l'activité sans en faire de la compétition. Et donc là, il faut aller chercher tous les espaces utilisables et les temps de pause méridienne peuvent effectivement en faire partie. Et sur la question du dynamisme global, ça reprend un peu, moi, alors j'ai envie de revenir sur la question de la mutualisation, j'ai envie de revenir sur la question de la communication qui sera développée tout à l'heure. Enfin voilà, il faut faire feu de tout bois, être souple, inventif, et puis surtout ne pas être rigide. C'est plus facile pour moi de le dire après 20 ans de direction que quand on débute, mais en l'occurrence, voilà, il faut pas avoir peur de tout. Oui, ça fait peur parce qu'il y a un double statut de président et de chef d'établissement qui nous expose. Mais je crois qu'il faut faire confiance aux équipes et les écouter et être facilitateur sur tout ce qu'ils vont nous proposer parce qu'eux ont tout intérêt à faire en sorte que l'association sportive vive et vive bien. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à Juliette, je voudrais simplement vous poser une petite question, puisque tout à l'heure, on a parlé de la communication, et je pense que communiquer, c'est aussi envisager de se faire connaître, de faire connaître ses actions, de l'organisation, etc. Derrière cette communication, on a eu des questions sur le droit à l'image. Des questions de chef d'établissement, parce qu'il y a quand même derrière ça quand même une responsabilité du chef. Que peut-on dire à nos collègues concernant ce droit à l'image ? Alors j'imagine que ça concerne surtout, bien évidemment, les élèves. Tout à fait.
Alors, le droit à l'image, c'est quelque chose qui est qui relève du droit à la vie privée. C'est-à-dire que on n'a pas le droit, en principe, de vous prendre en photo ou de vous enregistrer sans votre accord. Il existe quelques exceptions, hein, la foule, par exemple, etc. Mais c'est assez cadré par la jurisprudence. Aujourd'hui, nous, ce que nous recommandons, et c'est ce qu'on a mis en place à la rentrée, hein, on a envoyé à l'ensemble de nos services régionaux et départementaux pour que soit inscrit sur les formulaires de prise de licence, que, en définitive, on recueille au préalable l'accord des familles pour pouvoir photographier les enfants. C'est-à-dire qu'on va cadrer l'utilisation de l'image des enfants qui participent à l'AS. Mais on a certains parents qui nous ont dit « Mais moi, je veux bien que mon enfant participe à l'AS, mais je ne souhaite pas céder le droit à l'image parce que je ne sais pas ce que vous allez en faire, vous, UNSS. » Mais je l'entends très bien, ça. Et moi, ce que j'ai dit à tous les enseignants qui nous ont posé la question et tous les services régionaux et départementaux, j'ai dit « Mais pas de problème, que ces enfants continuent surtout à l'AS parce que on sait qu'à l'AS, ils vont apprendre plein de choses, donc il faut continuer. En revanche, identifiez bien cet enfant, comme ça, vous ne le prenez pas en photo. Et comme vous ne le prenez pas en photo, il n'y aura pas de risque qu'il soit sur notre rapport d'activité, par exemple. Voilà. Mais on va quand même encadrer pour limiter le risque de l'AS, limiter le risque de l'UNSS, on va encadrer ce droit à l'image. Mais ce n'est pas parce qu'on va encadrer le droit à l'image qu'on va interdire à tous les enfants qui ne souhaiteraient pas, dont les parents ne souhaiteraient pas transmettre ce droit à l'image dans le cadre de l'AS, c'est pas pour ça qu'on va les interdire de sport. C'est pas du tout notre objectif. On va même plutôt les encourager. Et peut-être, pour compléter, quand bien même cette autorisation aurait été signée, à tout moment, un parent qui demanderait le retrait de cette image doit être réalisé. Juliette. Oui. Allons-y. Est-ce qu'on a forcément abordé un certain nombre de points? Est-ce qu'il y a des questions qui seraient en dehors du champ de questionnement que nous avons abordé? Oui, alors on a eu beaucoup de questions sur ce pôle administratif et juridique. Donc vous avez déjà répondu effectivement à un certain nombre de questions. Donc nous avons listé toutes les questions qui nous avaient été transmises au préalable, hein, en amont de ce tournage, de ce webinaire. Certaines questions renvoient un petit peu à ce dont vous avez parlé, quand vous avez parlé des responsabilités que vous devez endosser comme chef d'établissement et président d'AS. Vous avez par ailleurs rappelé les textes juridiques qui encadrent ces statuts-là. Est-ce que vous pourriez préciser pour nos collègues là, qui se posent la question, en cas d'accident, comment ça se passe? Qui est responsable? Est-ce que c'est le chef d'établissement qui est responsable? Si l'accident a lieu dans les installations, est-ce que si c'est dans des installations qui sont mises à disposition par des collectivités locales, comment est partagée cette responsabilité? Alors, réponse brève, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà hors timing. Merci. Qui répond? Alors, je dirais que ça dépend aussi de la nature de l'accident, et ça dépend de où a eu lieu l'accident et de comment a eu lieu l'accident. Donc, je n'ai pas une réponse qui est automatique pour tous les cas. Voilà. La première chose, qui est une évidence, hein, c'est qu'il y a eu un accident, on s'occupe du blessé ou des blessés et on gère ensuite la responsabilité civile, voire pénale, de l'organisateur. Ça, c'est une chose. Et c'est pour ça aussi qu'on a des polices d'assurance qui viennent encadrer, hein, les dommages qui sont subis, que ce soit des dommages matériels ou des dommages corporels. Hein, là aussi, c'est pas tout à fait la même chose si on n'abîme un équipement ou si on blesse quelqu'un. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, effectivement, le président de l'association, en tant que président de l'association, il emporte une responsabilité, bien sûr. Et cette responsabilité, elle est aussi assise sur la confiance qu'il va mettre dans ses équipes pédagogiques qui viennent accompagner, qui viennent organiser l'événement sportif, l'entraînement, etc. Donc, vous voyez, c'est une problématique complexe, les assurances, et les aborder en quelques instants, c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut vraiment retenir, à mon sens, c'est on distingue le matériel du corporel, première chose. Les enfants sont couverts et les enseignants sont aussi couverts par des assurances organisateurs, une responsabilité civile. L'association sportive a une obligation du Code du sport de souscrire une police d'assurance en responsabilité civile. Donc tout ça favorise l'accompagnement, je dirais, de la responsabilité civile du dirigeant. Ok. Un,
un mot complémentaire. Les collègues ont raison d'être inquiets parce que c'est objectivement à la fonction de président qui l'emporte sur la fonction de chef d'établissement. Néanmoins, hein, l'expérience a montré, je veux dire, on n'est pas à quelques années d'expérience, mais à nombreuses années d'expérience, eh bien, l'expérience a montré qu'à ce stade, on n'a pas de chef d'établissement président en prison. Hein, donc ça veut dire qu'au quotidien, avec un nombre de licenciés très élevé, tous les mercredis, sur tous les lieux de France, oui, il y a des accidents toutes les semaines, et pour autant, la responsabilité a rarement été engagée réellement avec des conséquences pénales fortes. Hein, donc, voire des conséquences pénales tout court. Hein, donc oui, il y a un risque qui est existant, mais qui est inhérent à nos fonctions, hein, qu'il faut être capable d'endosser et qui ne doit pas nous empêcher de dormir, mais il est réel. Et il y a ce flou, effectivement, permanent entre la fonction de chef d'établissement et la fonction de président qui pose, effectivement, ces difficultés. Après, on peut aussi, et ça peut-être c'est plus l'inspection pédagogique, on peut aussi rassurer les collègues en leur disant qu'il y a des protocoles à suivre en cas d'accident, qui font qu'on se prémunit de tout problème ensuite. Voilà, il ne s'agit pas de prendre un accident à la légère, mais peut-être l'encadrer pour que, bah justement, on ait les bons réflexes et se préserver d'une attaque possible de la part des familles. Question suivante, Juliette. Il y en a plein, mais on ne va pas pouvoir vraiment aller beaucoup, hein, bien loin là-dessus. Non, allez, vas-y. Tout à fait, mais nous avons essayé de regrouper les questions parce que plusieurs fois, certaines questions sont revenues. Donc là, nous avons vraiment une question qui est récurrente concernant les obligations des enseignants et leur forfait d'AS de 3 heures. Donc très précisément, on nous demande, certains collègues s'interrogent, sur le fait que les rôles de secrétaire et de trésorier qui sont vraiment indispensables au fonctionnement de nos associations sportives, est-ce qu'ils doivent être décomptés de ce forfait d'AS de 3 heures? Et la question qui en découle également, c'est est-ce qu'un collègue peut décider de faire uniquement 2 heures d'AS hebdomadaire, s'il considère que par ailleurs, lorsqu'il va se déplacer en compétition, eh ben, il remplit son forfait d'AS de 3 heures. Voilà, donc c'est une question très récurrente. Commencer, début de réponse, sur peut-être l'esprit en deux temps. Tout d'abord, c'est inscrit dans le service hebdomadaire. Donc il y a l'idée d'une régularité. Et ce n'est pas un volume annuel qui est proposé aux enseignants, mais l'idée de quelque chose qui revient toutes les semaines et sur un volume qui est identifié, un volume forfaitaire de 3 heures, donc un bloc, quelque chose qui est fixé à l'avance et qui doit revenir régulièrement. Et garder cet esprit, ça nous permet d'avoir une direction. Donc à partir du 1er septembre jusqu'au 4, 5, 7, 8 juillet, il y a cette idée de récurrence d'un volume forfaitaire de 3 heures. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est ce qui est possible de faire et ça nous oblige. Ça oblige les enseignants à être dans cet esprit-là. Et puis, les missions qui sont derrière ces 3 heures, elles sont variées. On l'a évoqué tout à l'heure dans l'introduction. Il y a l'organisation, il y a le développement, il y a l'entraînement de cette association sportive. Et donc, dans ce volume-là, on peut entendre qu'on puisse avoir des missions de secrétaire, de trésorier. Mais il faut être, j'ai envie de dire, raisonnable avec la réalité de ce que représente ce travail-là, qui n'est certainement pas à hauteur, si on annualise, de 36 heures sur l'année, un travail de trésorier ou de secrétaire. Et donc, pouvoir avoir l'esprit et le garder en se disant que, pour les élèves, il est certainement important que l'ensemble de cette organisation et de ce développement puisse se faire dans de bonnes conditions pour l'enseignant, mais certainement pas au détriment de ce qui doit être la pratique des élèves et l'apprentissage de la responsabilité des élèves. 36 heures parce qu'il y a 36 semaines ouvrables. Exactement. D'un point de vue scolaire. Peut-être un mot pour compléter. Moi, je dirais aux collègues qui commencent à regarder ce qu'ils font en plus ou font en moins, d'être extrêmement attentifs à ces questions parce qu'au quotidien, en réalité, très peu de chefs d'établissement vont mettre le nez là-dedans et heureusement pour eux. Hein, c'est ça la réalité. Donc, n'allons pas déterrer des sujets complexes, ça risquerait d'être défavorable pour un certain nombre de collègues. Ça fonctionne plutôt bien comme ça sur un crédit confiance et un forfait que peu de collègues vont chercher à aller regarder de près. Parce que si on commence à mettre la main
dans la question de ce qu'on fait en plus, il faudra aller chercher dans ce qu'on fait en moins, il faudra aller regarder tout ça de près. Je ne suis pas sûr que les organisations syndicales soient très favorables à l'idée de l'annualisation du temps, hein, c'est un sujet un peu sensible. Or, il s'agit un peu de ça quand même, hein, dans ce qui est posé comme question, donc attention à ça. Voilà, gérons les choses intelligemment et n'allons pas commencer à pinailler de « je suis secrétaire, donc je fais une heure de moins de face à face dans la semaine ». Je veux dire, un établissement moyen, aujourd'hui un collège moyen en France, c'est 600. 600, c'est 4 collègues de PS. Ça veut dire qu'un collègue sur deux a une responsabilité de trésorier ou de secrétaire. Enfin bon, moi j'ai fait des maths dans la vie. Ça veut dire qu'il y a un sur deux qui ferait 2 heures au lieu de 3. Donc bon, si on entre là-dedans, ça risque d'être très vite compliqué. Ça engage la conscience de tout le monde. Dernière question, Juliette. J'ai également noté des questions de collègues qui se demandent, un sujet qu'on n'a pas abordé, est-ce qu'on a la possibilité d'accueillir des enseignants à l'AS ? Est-ce que des profs peuvent venir Réponse hyper courte. Alors, hyper courte, il me semble que c'est compliqué. D'accord. Voilà. Alors, je peux développer un tout petit peu. La licence UNSS, elle est faite pour les enfants. C'est l'article 1 des statuts de l'UNSS. Donc à partir de ce moment-là, avoir des adultes licenciés, c'est moins facile. Voilà. Pour faire S avec des adultes. Voilà. Alors il y a ça. Et puis en définitive, derrière, il y a une raison aussi physiologique. Quand on est un jeune adolescent, on n'a pas la même musculature qu'un adulte, en principe. Donc la confrontation n'est pas forcément aussi simple que ça. C'est la raison principale. Ok. La question, c'est est-ce qu'on peut pratiquer de l'EPS ou de l'activité d'une association sportive sans licence. C'est possible ? Alors, je pense que j'ai peut-être mal formulé ma question, parce que ce n'était pas comme ça qu'il fallait l'entendre. Est-ce qu'on peut pratiquer ensemble des enseignants et des élèves sur le même créneau d'AS ? C'était plus dans ce sens-là. Voilà. Bon, la réalité, c'est que concrètement, non, ça se fait. Ok. On va passer maintenant au pôle pédagogique. Et une petite vidéo de transition. Je vous remercie infiniment pour votre participation. On n'a bien évidemment pas tout couvert, mais en tout cas, on a quand même abordé certains sujets. Et on essaiera donc d'aller plus loin sur, comme je le disais tout à l'heure, dans les réponses sur le site EPS et UNSS. Merci à vous trois. Au plateau suivant, plateau pédagogique. Les valeurs qu'on essaye d'inculquer, entre guillemets, à nos élèves sont effectivement la persévérance, parce que il faut savoir être capable de répéter. Des notions d'entraide, des notions aussi d'appartenance à un groupe. Donc en fait, on gère ça un petit peu comme une grande famille. Ce qu'il faut surtout, c'est que les élèves se fassent plaisir. Ce n'est pas une association sportive comme on peut l'entendre comme un club, mais aussi une notion de plaisir, une notion de donner le meilleur de soi-même, point final. Avoir des souvenirs et en parler, et puis ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui va par la suite leur dire, leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Sur le pôle pédagogique, nous allons aborder 4 leviers qui vont nous permettre justement d'essayer d'organiser les débats autour du plan national de l'UNSS et la liaison à établir entre l'EPS, l'AS et l'UNSS, justement, au travers de cette liaison. Alors, on va essayer d'aborder l'ensemble de ces thématiques-là, de ces 4 leviers. Le premier levier concerne l'accessibilité pour le sport partagé. Le deuxième levier, l'innovation par des pratiques et des modalités d'organisation différentes. Le troisième levier concerne la responsabilité. Et nous aborderons dans ce troisième levier le côté éducatif au travers des projets à mettre en place dans les établissements. Et enfin, le quatrième levier, dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le levier de la communication. Alors, justement, la question est vraiment de savoir comment on établit un lien entre ces différents aspects, c'est-à-dire l'UNSS, l'AS, l'EPS, tout ça faisant partie d'un tout, mais parfois un tout qui est un petit peu complexe à définir. Et donc, on va essayer de voir ça tous ensemble. Je vais commencer donc à poser cette première question à notre collègue Franck Lacroix, que tout le monde connaît, qui arrive aussi dans l'Académie. Cette première question,
après avoir, qui va ensuite bien sûr présenter les intervenants, puisque Franck va ensuite essayer d'animer ce premier levier, qui est le levier donc consacré à l'accessibilité. Voilà, Franck, la question est, je le répète, comment on peut établir ce lien entre le projet national de l'UNSS, l'EPS et l'AS. Bah écoute, je crois que Patrick a très bien rappelé les différents enjeux de ce plan national. Et je pense que la qualification qu'on pourrait apporter ou qu'on pourrait donner en tous les cas à ce lien est la notion de complémentarité, puisque au regard des différents enjeux scolaires, hein, autour des valeurs de la République notamment, mais autour aussi de l'engagement citoyen ou encore des principes de laïcité, je pense que l'AS et la participation à l'AS s'inscrit complètement dans cette volonté de s'ouvrir sur justement ces différents principes. Donc du coup, le choix qui a été apporté, c'est de répondre et de montrer, en tous les cas, au travers des expériences, au travers des témoignages, de la possibilité de s'inscrire, de faire le lien au travers des actions très particulières, que ce soit sur le sport partagé avec l'accessibilité, que ce soit au niveau de l'innovation et donc sur cet aspect très pédagogique ou très éducatif de comment est-ce qu'on peut engager l'élève dans une activité. Et puis, évidemment, sur ce qui relève de la responsabilité et donc de l'engagement citoyen et donc comment on peut répondre aux différents parcours éducatifs, par exemple, qu'on pourrait mettre en place. Alors, une petite question qui est liée à la première, hein, c'est quelles sont les voies d'opérationnalisation, justement, de ce lien ? Donc effectivement, l'enjeu premier, c'est de véritablement voir à quel moment est-ce qu'on peut intégrer les différentes actions dans les différents parcours éducatifs, hein, qui sont le cœur même des projets d'établissement. Ça peut être au travers une pratique physique aussi, au travers le parcours de la santé. Ça peut être le parcours de la citoyenneté, la responsabilisation, hein, au travers des actions sur les jeunes officiels ou quels qu'ils soient. Et puis sur le parcours à venir avec les différents rôles à tenir dans les activités. Et enfin, au niveau de l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi s'engager dans une véritable culture, un apprentissage de véritable culture sportive et une culture artistique, puisque on a aussi des activités qui, en tous les cas, permettent de construire ce parcours. Je vais te laisser présenter nos invités et puis je vais te laisser donc... poser les questions donc, que nous avons un petit peu recueillies et préparées à l'avance. Voilà. Et donc, en fait, nous, on est surtout ravis d'avoir un vivier très important dans l'Académie de Créteil qui nous permet de montrer un petit peu les différentes expériences. Et donc là, sur le thème de l'accessibilité, on a donc deux intervenants qui vont nous permettre d'apporter un témoignage. Donc, Laure Seva, qui est enseignante d'éducation physique au collège du Bois de l'Enclume à Trilport et qui a monté, elle vous expliquera, une section sportive autour du sport partagé, deux sports partagés. Voilà. Et puis, nous avons Denis Miguet, qui est directeur départemental de l'UNSS en Seine-et-Marne et qui est également référent national sur le sport partagé, et notamment en étant membre de la commission mixte nationale au niveau de l'UNSS. Donc, dans un premier temps, peut-être que Laure, l'idée, ce serait de pouvoir donner quels étaient les constats qui vous ont amené à construire, à vous investir dans cette piste. Et puis également, comment est-ce que vous avez fait pour opérationnaliser un petit peu tout ça ? Alors en fait, nous, ce qui nous est arrivé, comme dans beaucoup d'établissements scolaires, en 2012, on nous a ouvert une classe, un dispositif Ulysse. Et comme beaucoup d'enseignants du collège, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, quel type d'élèves on allait retrouver, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec eux. Et le constat a été qu'on ne connaissait pas vraiment le handicap, comment intégrer ces élèves, que ce soit en EPS, que ce soit à l'AS, la peur aussi du handicap, et le fait que ces élèves soient finalement mis à l'écart au sein du collège, mis à l'écart dans les classes, les élèves n'allaient pas vers eux, voilà un constat d'échec d'inclusion finalement, alors que le dispositif voulait l'inclusion. Et en 2014, j'ai pu participer au championnat de France UNSS de tennis de table, qui s'était déroulé donc... en Seine-et-Marne, et à cette occasion, j'ai vu ce que c'était que le sport partagé. J'ai découvert moi aussi ce que c'était que le sport partagé. J'ai pu échanger avec des personnes qui sont dans le sport partagé depuis maintenant
de nombreuses années. Et voir ces élèves en situation de handicap vivre des moments de sport, mais aussi des moments de vivre ensemble, tout simplement, dans l'échange, dans le partage, ça m'a dit, je me suis dit, pourquoi pas amener ça aussi au collège. Donc quand je suis rentrée après ces championnats de France, je suis allée voir la coordonnatrice de la classe Ulysse, et je lui ai dit, pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on n'essaierait pas de ce que nos élèves d'Ulysse participent comme les autres pour faire des rencontres, etc. Donc on est parti de ça, en fait, de ce constat de ces élèves qui sont reclus, qui pratiquent pas à l'extérieur et qui sont pas intégrés. Et puis j'avais également cette année-là, en 2013, deux élèves qui avaient un handicap moteur fort, mais qui, cognitivement parlant, n'avaient aucun problème et qui ne pratiquaient plus, qui étaient dispensés à l'année en EPS. Et moi, quand je les ai récupérés en cinquième, je me suis dit, mais c'est pas possible, je les vois pas, ces élèves-là. Ils sont sur mes listes, je les connais pas, mais on doit quand même pouvoir faire quelque chose avec eux. Alors que le médecin avait dit, il est dispensé à l'année. Donc à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pouvoir faire. Et donc on a inclus dans l'emploi du temps des élèves une heure d'EPS par semaine en plus, sur le créneau du midi. Alors... à la fois c'était de l'AS finalement, parce que c'était des élèves qu'on a licenciés à l'AS et des élèves qui étaient à l'AS volontaires pour venir avec ces élèves en situation de handicap. Et c'est de là qu'est né le mouvement sport partagé dans l'établissement. En plus, ma collègue qui est coordonnatrice de l'ULIS est spécialiste de tennis de table, donc ça nous a aidés au moins pour cette pratique-là. Et puis les élèves de l'ULIS se sont investis. D'autres élèves venaient qui n'étaient pas de l'ULIS, et donc ça a pris, et on s'est dit... faut pas qu'on lâche, on va leur proposer d'autres choses. Donc ils ont animé des ateliers sur le cross, ils ont proposé une exposition sur les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, auxquels tous les élèves du collège ont participé. Et à partir de là, on s'est dit, c'est chouette, parce que finalement, ils sont comme les autres. Et les enfants dans la cour de récréation allaient les voir, ils étaient ensemble, et ils participaient tous ensemble. Donc de fil en aiguille, on a réussi à monter... Un groupe comme ça, et aujourd'hui on participe à de nombreux championnats et la finalité, c'est qu'on a réussi à monter une section sportive sport partagé dans laquelle les 13 élèves de la classe Ulysse sont inscrits, et en plus de ça on a 20 élèves issus de 5e, 4e, 3e, des élèves valides qui participent à cette section. Et donc à la suite de cette expérience, est-ce que vous avez pu identifier un petit peu les effets que ça avait pu engager? Alors on l'entend bien qu'il y a eu quelques effets, mais par exemple sur le climat scolaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est engagé? Est-ce que cette pratique nouvelle a pu avoir des effets? Alors ça, sur le climat scolaire, énormément, parce que finalement, après cette inclusion, au bout de 4-5 ans, on s'est dit, on va les inclure dès le début de l'année dans la classe, dans toutes les pratiques, que ce soit en EPS, mais aussi dans toutes les disciplines, sur les 3 premières semaines. Et puis mes collègues se sont dit, en français ils ne les avaient pas, en maths non plus, ils se sont dit, finalement c'est des élèves comme les autres, on peut faire des choses avec eux. Et donc maintenant les élèves sont inclus, ils échangent, ils ont les numéros de téléphone les uns des autres, ils se voient à l'extérieur, ils pratiquent en club à l'extérieur également. Et puis le climat scolaire, il est apaisé, c'est plus des élèves qui sont mis de côté dans la cour. On voit plus ce système d'élèves mis à part. Ils sont les uns avec les autres. Et nous, en tout cas, dans nos cours de PS, on ne fait plus la différence. Je vous mets au défi de venir voir dans une classe qui fait partie de la classe Ulysse, qui fait partie de la classe. Et voilà, vraiment. On verra notamment sur la petite capsule qui a été tournée dans votre établissement. Est-ce que la mise en place de cette organisation, de ce travail que vous avez pu opérer, est-ce que vous avez demandé des partenariats particuliers? Il y a des choses qui ont été entreprises? Le premier partenariat, c'est celui de l'UNSS 77. Denis a toujours été support pour nous. Dès qu'il y avait une rencontre, une sortie possible, une rencontre avec les élèves, on était... On y allait, et c'est grâce à eux qu'on a pu faire beaucoup de choses. Je pense, les crosses, les masterclass, les planètes, toutes ces choses qui sont proposées par l'UNSS, on a pu y accéder grâce à eux. Donc, je pense que pour illustrer le votre propos, là, je crois qu'on va peut-être passer une capsule de façon à ce qu'on puisse montrer ça en image. Souvent, en fait, on a une idée qui est très fausse dans la tête de l'handicapé qui est pas forcément maître de ses mouvements, alors que là, on se rend compte qu'ils sont aussi forts que nous, voire plus, et que c'est pas une raison de les discriminer ou les rejeter.
élèves sont, font partie intégrante du projet et participent aux 3 heures de la section sportive. Et en plus de ça, il y a une heure par semaine où c'est moi qui entraîne les élèves dans les activités de sport partagé, avec des élèves plus jeunes qui sont susceptibles d'intégrer la section en 5e. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir mêler des élèves en situation de handicap. Nous, c'est plutôt des élèves en situation cognitive qu'on a dans notre classe Ulysse à Trilport, avec des élèves lambda, on va dire, de plutôt lambda, mais avec un profil quand même plutôt sportif, qu'on a recruté en 5e, 4e et 3e. Mais le sport partagé, il faut le voir plus large, ça apporte une inclusion dans l'établissement. C'est aussi un partage des compétences, c'est que pour arriver à quelque chose, pour gagner une compétition, bah on a besoin les uns des autres, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Alors nous, où on est vraiment content, c'est quand on arrive, on a la chance de les emmener sur les championnats. Hein, sur les championnats, c'est vraiment là où émotionnellement, ils vivent des choses vraiment super intéressantes. Et c'est ça qui, j'ai envie de dire, au-delà de la séance quotidienne, hebdomadaire, qui crée vraiment des liens, c'est le fait de participer au championnat, c'est vraiment décuplé à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, enfin moi je trouve en tout cas. Donc on a pu voir l'expression en fait de ce que vous avez pu mettre en place comme organisation dans votre établissement scolaire. Et donc vous avez évoqué le partenariat avec l'UNSS 77. Et donc Denis, est-ce que Denis, tu peux nous apporter un petit peu des éléments sur les différentes possibilités qui sont offertes par l'UNSS dans le cadre de ce sport partagé? Oui, je vais essayer en tout cas. La première chose qui me semble importante, c'est de dire déjà quelle est la perception du handicap par l'élève. C'est-à-dire que la première des choses que l'UNSS va proposer, c'est le même programme que les autres. C'est-à-dire qu'un élève qui ne se voit pas en situation de handicap, qui ne se perçoit pas en situation de handicap, il n'est pas obligé d'aller vers le programme sport partagé. Il peut aller dans son AIS traditionnel et participer comme tous les autres élèves de son établissement. Ça, c'est la première chose qui est importante. Le deuxième, donc, c'est le sport partagé. Le programme sport partagé, il permet justement aux établissements spécialisés, aux jeunes en situation de handicap, avec un dossier MDPH, de pouvoir accéder à des activités où les règlements sont aménagés pour permettre à chacun d'avoir la même chance à la fin de réussir et de gagner la compétition. Ce programme, il est doublé par une action forte au niveau de l'UNSS national, qui est la licence gratuite pour tous les élèves des établissements spécialisés qui prennent une licence à l'AS. En fait, l'établissement scolaire a juste à payer la cotisation de 80 €, et après, il peut licencier gratuitement l'ensemble de ses élèves. Ça permet en fait à ces jeunes, une fois qu'ils ont pris une activité, de pouvoir après se développer et d'aller vers des licences fédérales. Ensuite, le programme sport partagé, ben ça tombe bien, on sort de 2 jours de séminaire au Centre national des sports de la défense à Fontainebleau. Et sur ce programme sport partagé, ben on permet, dans une trentaine d'activités, à des jeunes de choisir dans laquelle ils peuvent aller pour aller, ben, comme les autres, d'un championnat départemental vers un championnat de France, voire des compétitions internationales comme ça a pu le faire. Donc c'est quoi le sport partagé? C'est des élèves en situation de handicap, d'un ULIS, d'une SECPA, d'un établissement spécialisé, qui sont associés avec des élèves de l'établissement qui sont des élèves dits valides. C'est vrai que c'est compliqué d'employer ce mot-là. On est sur l'inclusion. C'est toujours compliqué de faire la différence entre les deux. Mais en tout cas, voilà, dans le principe, c'est celui-là. Et à partir de là, eh ben, en fait, on a un certain nombre de référents, un référent par activité qui va construire un programme avec des aménagements, soit dans l'épreuve ou des aménagements liés aux résultats qui vont permettre à chacun de concourir et d'avoir la même chance de réussir. Donc ça, c'est ce que propose le UNSS, qui fonctionne très bien et sur lequel le département de Seine-et-Marne est moteur. Et puis il y a une autre chose qui est importante. On parlait justement des liens avec l'école, des liens avec les infrastructures. Il y a une autre chose qui est forte et qui est importante. Laure le disait par rapport à sa section sportive, c'est que derrière, on a une écoute attentive aussi de notre DAZEN, Madame Debuchy, qui a permis de donner des moyens, notamment sur la section sportive, et qui aujourd'hui nous permet, nous, de faciliter, parce que la difficulté, on a des coordonnateurs d'ULIS, qui, par exemple sur les ULIS, qui ne sont pas obligatoirement des profs de PS, et qui du coup n'ont pas accès à l'information facilement. Et ce qui a été important pour nous, c'est de pouvoir avoir accès, grâce à notre DAZEN, l'ensemble des coordonnateurs d'ULIS, d'aller leur présenter notre programme sport partagé, ce qui a été pour nous une vraie révolution, parce qu'on a pu donner les éléments à nos collègues coordonnateurs d'ULIS, sur ce qui se passait, quel était le programme, et ils sont retournés après eux vers les profs de PS. Donc voilà, je pense, les choses les plus importantes que je pouvais dire. Merci Denis. Alors on va maintenant, si vous le voulez bien, on va passer au levier
suivant de dynamisation, qui est celui de l'innovation. Je vais remercier nos invités qui ont eu la gentillesse de participer. Alors c'est vrai que c'est un peu court, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, longuement, mais voilà, vous avez compris, c'est un format qui est forcément dynamique puisqu'on a beaucoup de monde. Merci beaucoup de votre participation. Donc le développement par l'innovation, parlons-en. On a essayé de travailler avec Franck sur cette question-là. Innover dans le cadre de l'AS, ça veut dire quoi ? Eh bien, innover dans le cadre de l'AS, d'abord, c'est peut-être innover en proposant des activités nouvelles, des activités qui soient attractives. Peut-être qu'en fonction des publics, parce qu'une activité attractive doit forcément prendre en compte le public. Donc essayer de penser à des activités qui puissent être porteuses de sens pour nos élèves en fonction de leur niveau de scolarité, collège ou lycée. Porteuses de sens, c'est le témoignage que nous allons avoir de collègues là, qui ont mis en place justement des activités un petit peu nouvelles. Et puis innover, c'est aussi envisager des organisations un petit peu différentes, c'est-à-dire essayer de repenser un petit peu le format de l'association sportive, sortir peut-être du cadre traditionnel, parce que aujourd'hui on sait que rester dans quelque chose de très figé, on arrive à une situation qui se sclérose. Donc peut-être parfois penser à des organisations originales pour justement dynamiser les AS. Alors Franck, je vais te redonner la parole et tu vas présenter donc nos invités et puis essayer de rester dans le temps qui nous est imparti. Je t'en remercie. C'est plus compliqué, sans doute. C'est compliqué. Effectivement, comme tu viens de le dire, il y a effectivement différentes possibilités de se lancer dans l'innovation, ou du moins de redynamiser au travers de l'innovation. Donc là, on a plusieurs témoignages qui vont nous être apportés. Caroline, Garin-Michaud, qui va nous proposer une activité différente et innovante qu'elle a mise en place dans son établissement scolaire. On va avoir Adèle Boisset qui va nous parler plutôt d'une organisation qui a été mise en place dans son établissement. Et puis ensuite, avec Bruno Rebel, qu'on a déjà présenté, et Gabriel Tulleux, on va voir comment est-ce qu'on peut s'emparer d'un événement tel que les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont se dérouler à Paris en 2024 pour redynamiser ou avoir en tous les cas une action redynamisante de son activité, de son association sportive. Donc je pense que dans un premier temps, on va peut-être commencer par venir sur une activité innovante avec une petite capsule. On va vous présenter cette activité, on vous laisse la découvrir et ensuite on apportera le témoignage de Caroline. J'aime bien le fait qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut dans les cordes. J'aime bien la vitesse et ainsi de suite. Ça m'a l'air d'être super. Il y a beaucoup de choses à apprendre, des figures, beaucoup de choses. C'est une nouvelle AS dans le sens où c'est une nouvelle activité que j'ai découverte en formation à Paris il y a 5 ans. Je cherchais à mettre en place une nouvelle AS au collège. Je suis ancienne gymnaste, donc c'est vrai que je m'y retrouvais un petit peu. J'en ai parlé aux élèves qui semblaient accrochés, qui avaient envie de découvrir. Et très rapidement, j'ai senti que les élèves étaient intéressés, qu'ils avaient envie d'essayer, qu'ils progressaient rapidement. On voit rapidement les différentes figures du code de pointage, puisqu'on se base sur un code de pointage pour créer nos enchaînements en freestyle. Donc c'est important aussi de les voir à l'enchaînement pour que les élèves sachent les faire, sachent de quoi on parle, connaissent le nom. On fait aussi un petit peu de cordes single, donc de cordes simples, pour travailler la vitesse aussi, pour être à l'aise avec une corde à sauter, pour faire des enchaînements, être à l'aise aussi dans le fait de montrer son enchaînement devant les autres. J'essaye aussi de mettre de plus en plus en place le lien avec la musique, parce que c'est vrai qu'il y a une notion de rythme, avoir le rythme entre les tourneurs, les sauteurs. Alors à l'aise, on n'est pas encore en rythme vraiment avec la musique, mais c'est vrai que ça aide et c'est important d'y venir dessus, et les élèves aiment bien avoir un fond musical. Pour toutes ces organisations-là, c'est assez facile de fonctionner dans un gymnase ou même dehors. C'est vrai qu'on peut le faire un peu partout. Et il faut être trois, donc il faut des équipes de trois. Et le fait de faire tourner les élèves tous entre eux, de faire travailler les grands, les petits, les troisièmes, les sixièmes, les filles, les garçons, bons tourneurs, mauvais tourneurs, débutants, expérimentés dans l'activité, ils progressent très rapidement.
Et on garde un temps en fin de séance où ils choisissent leurs équipes et ils peuvent créer leur enchaînement en freestyle. Et en général, on termine par des battles avec, en musique sous forme assez libre. C'est-à-dire que les élèves peuvent inventer, peuvent créer, peuvent choisir des activités, enfin des figures qui existent. Et voilà, ils peuvent s'exprimer sur la fin de la séance. Et puis on travaille à chaque fois des contenus techniques, que ce soit au niveau du tournage, au niveau des figures. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et les élèves progressent très vite et ils adorent. Oh, pardon, donc, j'étais surpris par la reprise. Donc du coup, on vient de voir une démonstration et de double touch. Et donc comment est-ce que c'est venu dans l'établissement? Comment est-ce que Caroline, vous avez pris en main cette activité et essayé de la développer? Alors j'ai suivi une formation qui était proposée en 2015 par des enseignants d'EPS et en lien avec la Fédération de Double Dutch France. Donc j'ai découvert cette activité à ce moment-là en pratiquant. J'ai choisi de lancer cette activité directement au collège parce que j'ai vu à quel point c'était une activité qui était riche, qui était facile à mettre en place, qui était très accessible, qui se proposait pour tous les élèves, qui permettait à tout le monde d'être en réussite rapidement malgré ce qu'on a l'impression. On a l'impression que c'est difficile et qu'on va pas réussir à entrer dans les cordes tout de suite. Et en fait, la réussite, elle est très rapide. Les progrès sont illimités. Donc ça a été, il y a beaucoup de qualités. Les élèves peuvent s'expérimenter en tant que jeune coach, jeune officiel. Il y a plusieurs rôles qui sont à mettre en place. Et quelle dynamique, alors, du coup, ça a lancé dans l'établissement? Est-ce qu'on a vu des licenciés qui ont augmenté, des jeunes filles, jeunes hommes qui sont venus Exactement, oui, ça a attiré des élèves qui avaient besoin de s'exprimer aussi, parce que c'est une activité où il faut créer. Ça a permis de développer un sentiment de compétence, des élèves qui étaient fiers de démontrer leurs compétences lors du spectacle du collège. Donc une cohésion d'équipe aussi, puisque les sixièmes se retrouvaient avec des troisièmes et devaient travailler ensemble dans les mêmes équipes pour les entraînements, parce qu'il faut être tourneur, il faut être sauteur, il faut communiquer, il faut s'entraider. Filles comme garçons, on peut fonctionner ensemble. Donc une bonne cohésion, c'est aussi une activité qui a pris de plus en plus de place au sein du collège. Dès la rentrée des sixièmes, on utilise cette activité pour faire des défis, pour souder les classes. Donc les élèves de l'AS sont aussi appelés en tant que jeunes coachs pour animer justement ces ateliers. Des élèves aussi s'impliquent et veulent monter une association de double dutch à Villepinte, donc ils se questionnent comment monter une jeune association. On a une convention avec le lycée pour permettre aux élèves qui sont maintenant au lycée et qui n'auraient pas cours le mercredi après-midi, mais c'est encore un problème, de venir encore au collège avec les élèves de l'AS pour pratiquer. Et avec l'aide de la Fédération de Double Dutch France, c'est ce qui nous a permis de mettre en place des initiations, d'avoir des ressources qu'on peut trouver sur le site sautesanté.org, qui permettent à n'importe quel enseignant qui découvre l'activité d'avoir des billes pour se lancer, des vidéos, des explications, des séances. Enfin, voilà. Quand on débute, on peut très vite progresser et être compétent pour l'enseigner avec ses élèves. Et on découvre avec les élèves aussi, c'est ça qui est génial. Et en fait, sur le plan de l'innovation, en fait, il y a eu un sentiment de surprise, il y a eu un sentiment comment ils se sont retrouvés un petit peu Que c'est vraiment une activité que les élèves ne connaissaient pas. Donc il y a cette surprise, il y a cette envie de réussir quelque chose qui paraît un peu inaccessible, qui paraît compliqué. Et ensuite, une fois lancé, on a toujours la possibilité de progresser, d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est continuellement moteur pour l'AS. Merci. Donc on a parlé du lien et donc on le mettra dans les commentaires de la vidéo lorsqu'elle sera sur postée. Et donc du coup là on était sur une forme d'innovation de pratique et donc qui était sur un point donc qu'on a soulevé et donc on va passer sur un deuxième temps d'innovation, sur une innovation davantage liée à l'organisation de l'association sportive et donc on va voir le témoignage d'Adèle Boisset qui est au lycée Schumann. Je pense qu'avant ça, on va avoir une petite pastille, une petite capsule, histoire de montrer en acte comment ça se passe. Y a plein d'activités qui sont disponibles. Il y a du badminton, de l'escalade, de la danse, de la muscu. Oui, voilà, vu qu'il y a plein de sports et que c'est libre, on peut faire tout ce qu'on veut. Selon les jours, on va faire différents sports. Par exemple, hier, j'ai fait muscu escalade, aujourd'hui je fais danse, puis la semaine dernière j'ai fait badminton, donc voilà c'est libre et c'est ça qui est bien. Nous on a la chance d'avoir un très très grand gymnase, donc d'avoir deux salles où il y a un mur d'escalade, une salle de muscu, deux salles où on peut mettre des terrains de volley, des terrains de basket. On peut mettre la danse aussi en même temps, donc l'objectif c'est de faire le maximum d'activités possibles sur le temps de midi et deux.
Donc c'est de 12h30 à 14h le mardi et le mercredi. Et voilà, que les élèves viennent et fassent le maximum d'activités possibles sur une heure et demie. Alors des fois, il y en a qui font tous la même activité, enfin pendant une heure et demie la même activité. Et parfois, ils changent trois fois d'activité dans la séance. Donc, c'est une AS plaisir, une AS entre copains aussi. Alors on a un pôle compétition, mais voilà, c'est pas l'objectif du temps entre midi et deux. Mais on a mis ça en place un peu pendant le Covid parce qu'on avait pas grand monde qui venait et on s'est dit ils en avaient marre de faire du basket, on faisait beaucoup de basket. J'ai dit on peut peut-être mettre un filet de volley ou même un filet de badminton. On a essayé, ça, les élèves ont accroché. Après, je sais pas si ça nous a ramené beaucoup d'adhérents, c'est pas un super recul, mais en tout cas il y a du monde, les élèves sont contents de venir, ils reviennent les années d'après, donc c'est positif quoi. Donc on vient de voir une belle démonstration plus sur l'organisation. Qu'est-ce qui a conduit à venir sur ce type d'organisation dans l'établissement ? Alors en fait, quand il y a eu le Covid, il y avait beaucoup moins d'élèves, ils n'avaient pas le droit d'être en contact. Donc on a mis un filet de badminton, un filet de volley pour leur proposer d'autres activités. Ils venaient au début pour le basket, mais finalement ça leur a plu. Ils en ont parlé à d'autres élèves qui sont venus et des élèves qui étaient au final pas forcément sportifs. C'était pas les élèves les plus sportifs qu'on avait, pas les meilleurs dans les classes. Et nous, ça nous a plu d'avoir plein d'élèves qui étaient pas forcément là pour ni pour la compète, ni pour forcément faire des progrès énormes dans les activités, mais qui étaient là pour aussi voir les autres élèves. Alors au début, c'était un peu cloisonné, mais petit à petit, ils sont venus, ils ont vu les autres élèves, les premières et les terminales, aider les secondes, les accueillir, etc. Et nous, ça nous a vraiment beaucoup plu. Donc on a essayé de persévérer là-dedans et c'est ça qu'on dit aux élèves en début d'année. Vous venez, même si vous n'êtes pas sportif, même si vous allez rencontrer les autres, vous allez faire des rencontres UNSS qui ne sont pas forcément compétitives. Là, par exemple, on a participé à la journée fun lycée. Voilà, j'ai pris les élèves qui sont venus, je leur ai dit, tu peux t'inscrire, il n'y a pas besoin d'avoir un bon niveau, viens juste pour pratiquer. Et du coup, on a quand même beaucoup de licenciés, beaucoup de filles, beaucoup d'élèves qui sont pas les meilleurs de nos cours de PS, mais justement ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que du coup on a vu une petite plus-value justement entre ce qu'ils ont vécu à l'UNSS et ce qu'ils vivent en EPS ? Est-ce qu'on voit qu'il y a des retours par rapport à ça ? Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi, notamment en termes de climat scolaire, parce que finalement ils sont bien à venir à l'AS, donc c'est des élèves qu'on a aussi dans la poche en EPS quand on les a en EPS. Les relations avec nous, avec les autres élèves, parfois avec les profs qui viennent de temps en temps s'entraîner en escalade, au niveau climat scolaire, c'est positif. On a eu une grosse simulation l'année dernière sur une équipe de volley qui a bien fonctionné, et du coup il y a plein d'élèves qui sont venus qui n'étaient pas bons au volley, puis qui finalement ont vraiment progressé. En danse pareil, il y a eu un spectacle de danse à la fin de l'année. Et là, du coup, on a plein d'élèves en danse, notamment les deux garçons qu'on voit dans la vidéo, qui ont vu le spectacle de danse et qui ont dit « Ah ouais, c'est ça qu'on veut faire ». Et c'est pas des danseurs, mais franchement, ça se passe bien. Merci. Donc, si tu me permets, parce oui. que j'ai eu l'occasion de venir dans l'établissement et d'assister donc à une séquence. Hein. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est qu'en fait, on est cette formule extrêmement libre pour l'élève. On a une licence, on a un temps donné à l'UNSS sur la pause méridienne, et l'élève, il vient... Et il fait ce qu'il veut, et il peut changer d'atelier en cours. Il va faire un petit coup de volley, il va faire un petit coup d'escalade. Et moi, j'ai vu des élèves, j'ai vu un gymnase plein d'élèves. Il y avait un gymnase plein, et moi, je me suis dit, ça veut dire que c'est possible. On peut attirer les élèves, et dans une organisation qui est souple, en fin de compte, et qui laisse le choix à l'élève de sa pratique. Voilà. Merci en tous les cas. Merci Adèle. En tous les cas, on voit bien que y a deux profils de d'innovation, hein, puisque les innovations, pour le coup, soit sur l'activité, soit sur l'organisation. On va avoir un troisième mode d'innovation qui est là pour le coup et la possibilité de s'appuyer sur des événements ou sur un événement en l'occurrence, puisque on a un événement majeur quand même qui va se dérouler. Et donc pour ça, on a donc deux témoins privilégiés avec Bruno Rebel qui est délégué académique à l'action sportive et à l'olympisme et le paralympisme, donc délégué d'ASOP, et donc Gabriel Tulleux qui est chargé de mission auprès de la DASOP également. Et donc,
Comment est-ce que, selon vous, on peut dynamiser son AS tout en profitant de l'image et de la dynamique des Jeux? Alors, nous sommes là à peu près un an et demi des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont aller jusqu'au 8 septembre pour les Paralympiques. C'est l'occasion ou jamais d'associer l'association sportive à l'image des Jeux, qui est véhiculée dans les médias assez fréquemment aujourd'hui, mais ça va monter en puissance de manière progressive très très forte. Une image positive avec les valeurs de l'olympisme, que sont l'amitié, le respect et l'excellence, donc des valeurs qui sont portées par les profs de PS, par les établissements depuis très longtemps. Donc ça vaut vraiment la peine de profiter de cet événement pour communiquer à l'interne, donc dans l'établissement. Nous savons très bien que certains professeurs de PS ont des AS extrêmement dynamiques, extrêmement belles, mais les collègues ne le savent à peine ce qui s'y fait, sachant que les Jeux Olympiques permettent aussi aux profs d'histoire, aux profs de musique, aux toutes les disciplines de pouvoir s'emparer de cet événement pour valoriser en tout cas ce qui est fait dans l'établissement. Donc ça, c'est vraiment un événement important. Nous avons une possibilité concrète, c'est en s'inscrivant dans la démarche de labellisation Génération 2024. Donc là, on a un nouveau référent national, qui est Jean-Marc Serfati, qui était IAIPR il n'y a pas longtemps dans notre académie. On va avoir certainement une procédure de labellisation plus simplifiée qui vous permettra, d'une part, d'avoir des modalités de communication, un kit de communication pour bénéficier de l'image des Jeux Olympiques, pour communiquer vers les familles qui regardent la télé, vers les élèves qui effectivement suivent les champions et vont suivre les champions pendant tout le processus de construction des Jeux. Donc ça vaut vraiment la peine de s'inscrire dans cette dynamique, sachant aussi que l'Académie, donc aussi bien l'UNSS qu'au niveau régional, donc avec Gabriel, on met en place des événements très très forts qui permettent d'avoir des moments fabuleux que les élèves vivent à travers ces Jeux Olympiques. Le fait d'être labellisé, ça vous donne des priorités pour avoir accès à tous ces événements. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ça vous permet de vous mettre en projet. Donc on vous invite à regarder en tout cas et à essayer peut-être de paramétrer ces grands moments que sont les événements olympiques et peut-être d'associer votre association sportive à l'image des JO. Je vais peut-être laisser Gabriel compléter et préciser. Justement, c'est l'occasion de peut-être nous donner quels sont les outils ou quelles sont ces fameuses actions qui permettent justement qui sont du moins à la disposition des associations sportives pour qu'ils puissent s'en emparer et vivre un peu, construire un peu l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, en effet, si on reprend cette idée de label, elle a vraiment pour objectif d'ouvrir l'association sportive et l'établissement vers le monde extérieur. Et donc, un des premiers points d'action que peut engager une AS et un établissement, c'est de faire une démarche de partenariat avec un mouvement sportif local. Et donc, par exemple, inviter un intervenant de la discipline à venir à l'AS, faire des rencontres entre les élèves de l'AS et les élèves du club sportif. On peut aussi imaginer d'avoir une organisation commune d'un événement, outre les rencontres. Et donc, on parlait des événements olympiques. En effet, la journée nationale du sport scolaire, elle est vraiment ancrée pour les professeurs de PS, collège, lycée, comme un moment de démonstration de l'association sportive. Allons plus loin, ouvrons à la découverte du monde sportif avec la semaine olympique et paralympique qui cette année aura lieu au mois d'avril, du 3 au 8 avril, et la journée olympique donc, qui peut venir clôturer l'année le 23 juin. Donc c'est deux éléments très forts pour lesquels on a énormément de dynamisme local, les collectivités qui s'en emparent montent des projets et les clubs sportifs aussi souhaitent être associés. Il y a des ressources et des possibilités qui sont disponibles en ligne ou sur le site de la DASOP ou le site de Paris 2024 qui peuvent accompagner les professeurs vraiment pour mettre en place des actions concrètes à cette occasion. Et ensuite aussi au niveau académique, on a un grand nombre de ressources qui sont mises à disposition pour travailler sur les valeurs olympiques et paralympiques, engager le rôle de citoyen lors d'organisation d'événements olympiques. Ça peut être les jeunes officiels qui officient en tant qu'organisateurs, en tant que reporters pour rendre compte de ce qui s'est passé durant les événements. On peut avoir d'autres actions qui sont mises à disposition comme des ciné-débats, des quiz qui peuvent avoir lieu. Je pense à la couleur de la victoire.
On peut parler des autres actions académiques comme le jeu des jeux, qui est un quiz autour de l'olympisme et de la musique. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et on a d'autres outils au niveau académique que je vous invite à aller consulter sur le site internet de la DASOP. On peut partir sur la thématique de la santé, par exemple, avec les tests sport santé qui peuvent être utilisés aussi bien en cours de PS que à l'AS pour apporter des solutions et donner aux élèves l'envie de progresser et d'adapter leur programme en EPS et à l'AS en fonction de leurs besoins, en identifiant leurs besoins. Merci Gabriel. Il nous semblait là qu'on pouvait faire le point, mais on voit que se construisent bien les liens entre les différents éléments, et on en parlait du plan national du NSS, mais on voit bien que toutes les actions et les innovations ont permis de construire ce lien. Et on ne pouvait pas non plus ne pas évoquer le lycée professionnel. Enfin, on sait qu'on connaît la problématique du lycée professionnel dans le dynamisme des AS. Et donc, pour ça, on voulait avoir le témoignage ici de Justine Vincent, qui est en lycée pro à Aubervilliers, au lycée pro Jean-Pierre Tabreau, et qui va nous faire part de son expérience, parce qu'on connaît les difficultés et la dynamisation d'un lycée, de l'AS dans un lycée pro est parfois sujet à débat. Bonjour, donc c'est vrai que dans notre lycée professionnel, notre principal objectif, c'est de fédérer les élèves entre eux au sein de l'AS, mais également au sein de l'établissement. Donc pour ça, on essaye de proposer différents événements tout au long de l'année pour entretenir leur motivation et leur engagement. Par exemple, on va leur proposer d'aller voir des manifestations à l'extérieur, comme on est allé voir un match du Paris Saint-Germain handball à la salle Pierre de Coubertin, ou encore le tournoi de rugby à 7 qui se déroule à la U Arena. Après, c'est vrai que notre problème principal, c'est la mobilisation des élèves en dehors du temps scolaire. Ces manifestations, c'est souvent le soir ou le week-end, et malgré notre bonne volonté, on a du mal à avoir des élèves volontaires en dehors de leur temps scolaire, qui est de 8h à 17h30 au sein de l'établissement. On s'est beaucoup appuyé sur le dispositif des ambassadeurs du sport en Île-de-France. On a eu la chance d'avoir 3 athlètes qui sont venus dans l'année. Nordine Oubali, championne du monde de boxe. Christophe Guénaud, médaillé olympique de lutte et entraîneur de l'équipe de France. Et Manuel Dalinha. Ces athlètes sont venus dans l'établissement pour proposer une animation aux élèves, donc dans leurs différentes disciplines. Et à chaque fois, l'animation, elle était suivie d'un petit échange de questions entre les élèves et l'athlète. Ces animations, elles ont très bien marché parce que déjà, ça diversifie un peu l'AS. Les élèves pouvaient voir des personnes qu'ils ont pu voir à la télé. Ils ont cherché sur les réseaux sociaux, le palmarès, etc. Pour eux, c'était vraiment extraordinaire. Et ça leur a permis de voir que l'on pouvait réussir malgré qu'on vienne parfois d'un milieu dit défavorisé à la base. Donc vraiment, je remercie les ambassadeurs du sport de nous avoir permis d'accueillir ces athlètes parce que ça a été vraiment des expériences très enrichissantes pour les élèves. Et enfin, en fin d'année, on propose un séjour APPN. Donc on amène une trentaine d'élèves dans une base de loisirs en Normandie à la découverte d'activités de pleine nature. C'est vraiment notre projet phare à l'AS. C'est avec ce projet que, à la rentrée suivante, on montre là une capsule vidéo aux nouveaux entrants, première année CAP ou seconde, pour leur montrer voilà ce qu'on peut faire si vous vous êtes inscrit à l'AS. Et c'est vraiment la récompense pour ces élèves. Et ça nous fait notre petit noyau dur. En général, les 30 élèves qui viennent à ce séjour se sont tellement éclatés et ont tellement bien vécu le fait de partir Paris, de découvrir un autre environnement, d'être tous ensemble, de rencontrer des élèves qui ne sont pas forcément dans la même classe, que ce petit noyau, on le garde la majorité du temps l'année d'après pendant notre AS. Après, c'est vrai que le lycée Jean-Pierre Timbaud, c'est un lycée majoritairement de garçons. On a une centaine d'élèves filles et on a vraiment du mal à les inclure dans notre AS, malgré des propositions diversifiées comme du fitness, de la danse, du hip-hop. On a vraiment du mal à les inclure et elles n'ont pas forcément envie de venir, par exemple, dans un séjour à PPN où il y a une majorité de garçons. Donc on voit bien que les problématiques demeurent, mais en tous les cas, l'idée de rentrer différemment dans l'activité avec une plus-value en termes d'action ou en termes de pratique a quand même une incidence sur le nombre de participants à l'association sportive. Donc, voilà, vraiment, le but, c'est d'essayer de diversifier au maximum, même avec une proposition multiple d'activités. L'AS, elle est ouverte vraiment tous les midis. Les élèves, ils ont plusieurs propositions. Ce n'est pas centré sur une activité pour leur permettre de proposer un maximum de choses et essayer de les motiver. Merci.
Est-ce que on a des questions sur le, sur le chat? On va laisser la parole à Juliette. Oui. Alors, vous avez déjà répondu en partie à un certain nombre de questions qu'on a pu avoir dans le questionnaire. Donc, j'essaie de synthétiser un petit peu tout ce qui nous est envoyé. Et j'aimerais vous poser la question à vous deux en particulier, qui êtes là pour témoigner, forte de vos expériences qui fonctionnent vraiment bien dans vos établissements. Quels conseils vous pourriez donner à des collègues qui s'interrogent parce qu'ils sont dans des tout petits établissements, donc une équipe PS assez réduite, donc ils sont confrontés à des difficultés pour faire vivre leur AS. Quels conseils vous leur donneriez, que ce soit un conseil au niveau organisationnel, au niveau de la programmation, qu'est-ce qui, selon vous, dans ce contexte-là, pourrait leur permettre de redynamiser leur AS? Alors, nous, ce qu'on fait qui fonctionne assez bien, c'est déjà tout de suite. Dès la rentrée, il faut y aller. On les harcèle, les élèves, on leur en parle tout le temps. Et après, voir aussi en fonction de ce qui marche chez les élèves, observer et puis voilà, s'adapter, quoi. Essayer de voir et puis essayer des choses, parce que même si ça marche pas, c'est pas grave, on essaiera autre chose à un autre moment. Nous, c'est vrai que pareil, en lycée, du coup, on essaye aussi de voir le suivi avec le collège. Donc, en fin d'année, quand les élèves viennent s'inscrire, on leur donne déjà les papiers d'inscription pour l'AS et on leur demande l'activité qu'ils ont pratiquée au collège. Et parfois, ça nous fait changer notre programmation d'AS pour l'année qui suit. Et après, pourquoi pas s'appuyer sur des partenaires extérieurs ou des dispositifs qui peuvent aider à mettre en place des actions particulières et changeantes pour motiver les élèves. Bien, nous allons. Alors, merci beaucoup pour votre participation à cet atelier. C'était effectivement encore une fois un peu court, mais ça montre quand même des perspectives d'organisation différentes et aussi des propositions différentes en termes d'activité. On va lancer maintenant le sujet suivant, qui porte sur la responsabilisation. Et pour amorcer ce sujet, on vous propose une petite vidéo de transition. Un collègue qui va témoigner de son expérience dans son établissement. Je m'appelle Stanislav Tokars, je suis élève de 3e 3 et j'ai participé à la perche aux étoiles en 6e. On a appris comment les vrais athlètes de perche apprennent. Du coup, on l'a pris dans les mains, les poids, on a appris à sauter et la base. J'aime beaucoup le club journal parce que je peux donner ma créativité pour d'autres personnes et j'aime beaucoup écrire des articles. Bonjour, je m'appelle Eliana, je suis en 3e 3 et en 6e j'étais à la pêche aux étoiles et en tant que reporter et j'ai pu interviewer des gens et prendre en photo. Ce qui s'est passé. Alors, le club journal, il a commencé grâce aux profs de PSE qui ont proposé de participer à la journée du sport scolaire pour présenter un atelier journalisme et sport et la fonction des jeunes reporters de l'AS. Donc on a commencé comme ça. On a réussi à recruter nos grands dadés qui sont en 3e maintenant. Et ça a fait quelques petites collaborations ensemble. Il y en a ici qui ont participé à une rencontre autour du saut à la perche. Et l'objectif cette année, c'est d'essayer de reprendre ça, parce qu'avec le Covid, on a dû s'arrêter un peu. Ou ils vont peut-être pouvoir assister à des entraînements de boxe, etc. Voilà. Bonjour, je suis Marine Vimout, professeure de PS au Collège Le Parc. Nous avons décidé de monter un partenariat avec notre professeur documentaliste pour travailler le rôle de jeune reporter, parce que tout simplement, on n'avait pas le temps de le faire à l'AS, on n'avait pas le temps non plus de l'approfondir. Donc là, l'avantage, c'est que les élèves peuvent le travailler une fois par semaine par le biais du club journal. Et quand nous avons des événements, des compétitions intéressantes, nous sortons les élèves du collège et nous les emmenons avec nous sur le lieu de pratique pour qu'ils puissent prendre justement ce rôle de jeune reporter et mettre en pratique ce qu'ils ont appris avec Madame Lux. On a pour projet aussi par la suite de monter aussi le même style de partenariat avec les jeunes secourismes, parce qu'on s'est formé récemment à la formation PSC1 pour former nos élèves. On n'a pas encore eu l'occasion de le mettre en place à cause du Covid, donc c'est encore en réflexion. Alors,
D'ailleurs, le troisième levier de dynamisation de nos AS porte sur la responsabilisation. Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut envisager et ouvrir des perspectives par l'engagement et la mise en projet. Pour ce faire, je vais donner la parole à Céline Audry, notre collègue IPR-EPS, à qui je vais poser la première question, justement, et après, je la laisserai donc présenter nos invités. Alors Céline, en quoi justement ce troisième levier permet d'envisager, par la responsabilisation, une dynamisation de nos AS ? Alors au travers de cette responsabilisation, on peut déjà faire le lien avec deux enjeux, deux pistes d'action. D'une part, par le biais de la mise en projet des élèves au sein de leur association sportive. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de faire de l'AS un lieu où les élèves vont à la fois construire des compétences, mais aussi les mobiliser et exprimer des compétences qu'ils ont peut-être construites à l'extérieur de l'établissement scolaire. Car l'AS, finalement, peut être considérée, enfin, à mon sens, comme un diamant brut, et elle est ce que l'on en fait. Et là, on a une première piste, enfin, une première perspective d'ouverture hein, qui pourrait nous permettre d'aller sur des champs qui ne sont pas assez investis à l'heure actuelle. Hein. C'est d'en faire un lieu où les jeunes pratiquants, mais également les jeunes non pratiquants, donc non sportifs potentiellement, peuvent venir faire l'expérience de rôle pour faire fonctionner leur AS, mais également s'en emparer pour en faire leur AS. En ce sens, c'est un levier qui ouvre ces fameuses perspectives au service à la fois du parcours citoyen et du parcours à venir. Et ces éléments-là sont valorisables à la fois dans le DNB, mais également dans Parcoursup. Cette notion d'engagement est très forte. Donc, pour illustrer ce levier, nous accueillons aujourd'hui donc trois invités. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec Monsieur Gaël Dion. Donc, bonjour Gaël. Donc, Gaël est enseignant au lycée polyvalent, Louis Armand à Nogent. Mais également, avant d'être en lycée, il est également en collège. Il est également membre du groupe ressources de l'Académie de Créteil et il travaille sur l'engagement par le biais de l'AS. Et il développe avec ses confrères donc, des outils et des démarches. Donc Gaël, finalement, si on devait faire un point, quels constats ont motivé les travaux qui sont engagés au sein de ce groupe ressources ? Oui, alors le groupe ressources académique, il faut savoir que c'est un collectif d'enseignants qui sont tous en poste, voilà, un poste dans des contextes variés, des postes urbains, périurbains. On a des collègues en collège, en lycée professionnel. Et donc il y a plusieurs thématiques, donc celle-ci, qui est celle de l'AS et des formes d'engagement. Donc le constat qui a été fait au sein de ce collectif d'enseignants, en remontée de terrain, il est triple. Le premier, c'est un manque d'effectifs en lycée, et notamment en lycée professionnel. Déjà avant la pandémie, mais encore plus là, sur les deux années qui sont venues. Deuxième constat, c'est le fait que les élèves qui investissent l'AS le font, là je parle du collège et du lycée, le font souvent sur le pôle du pratiquant et également de la compétition. Voilà, c'est principalement les pôles d'engagement qu'on perd, au détriment des autres, hein, jeunes arbitres, jeunes officiels, qui existent, hein, mais qui ne sont toujours pas peut-être autant investis qu'ils pourraient être. Et le troisième constat sort un peu de l'UNSS pur, mais est un constat qui revient des fédérations sportives au sens large, et qu'ils ont aussi un moindre effectif que les années précédentes, mais aussi une difficulté à avoir des bénévoles, pour avoir toutes les tâches annexes dont a besoin l'association sportive, pour exister. Donc voilà un peu le triple constat qu'on a fait, et qui a motivé ce travail du groupe recherche. Donc à partir de ces constats, vous avez certainement mis en place des démarches. Quelles sont-elles ? Alors, le groupe fonctionne toujours de la même manière. On essaye de faire des outils qui vont être pragmatiques, efficaces, qu'on rentre dans une sorte de boîte à outils. Donc, en ce qui concerne le groupe qui a réfléchi sur l'AS et les formes d'engagement, on a choisi deux types d'outils. Une foire aux questions, très classique, hein, qui répond à des questions très, très simples. Comment communiquer mieux sur les actions qui ont été faites au sein de l'AS, par exemple. Comment accroître son nombre de licenciés ? Alors ça, c'est la grande question. Nous, on a des petites réponses liées à des choix de créneaux, etc. Et puis, un peu plus pragmatiquement, des fiches thématiques qui sont basées sur des pratiques de terrain qui ont fonctionné et qu'on a trouvé qu'il était intéressant de diffuser dans l'académie et au-delà, puisqu'on sait que d'autres personnes hors d'académie viennent se saisir des travaux du groupe ressources. Donc ces outils, donc, par exemple ces fiches thématiques, pourront être exploitables, clés en main, par les enseignants intéressés ? Voilà, exactement. L'idée de ces fiches thématiques, c'est que
on va les présenter par degré de complexité en fonction du temps et de l'état d'avancement de son AS. Hein. Tout à l'heure, tu parlais d'un diamant brut. Effectivement, ça fonctionne en fonction des lycées, des difficultés inhérentes au créneau horaire, des difficultés inhérentes un peu aux spécialités sportives, aux localisations par rapport aux équipements sportifs. Bah, tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Et donc, nous, on a présenté des degrés de complexité différentes. Un exemple très simple, c'était... comment impulser une dynamique en début d'année via la journée du sport scolaire. Donc là, c'est un objet qui est assez simple. Hein. On a classé ça plutôt dans du vert, quelque chose qui peut se faire en demi-journée de travail entre collègues sur 2 heures. On peut organiser, réaliser assez facilement cette journée du sport scolaire. Un autre exemple d'outil qui est plus long, ça peut être par exemple comment fidéliser et diversifier les formes d'engagement sur un temps long, sur un voyage scolaire, sur 1 ou 2 ans. Donc on laisse une complexité bien plus grande et que toutes les équipes ne pourront pas s'approprier tout de suite. Quoi. Donc ces outils seront consultables ouais. bientôt sur... Voilà, l'enjeu c'est de les mettre assez rapidement, on espère en courant de l'année, là, 2023, avoir les premières fiches thématiques sur le site académique de Créteil, donc à disposition au téléchargement libre pour tous les collègues de l'académie d'ailleurs. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Il me semble que normalement il y a une capsule qui doit passer maintenant. Pour illustrer justement l'intervention de notre prochain témoin. Je suis jeune éco-responsable. Mon expérience à l'UNSS m'a donné envie de créer une association. J'aimerais bien être journaliste quand je serai grande, grâce à ça. Donc vraiment, si on ne veut pas faire que du sport, mais qu'on veut quand même s'intégrer dans un groupe, bah, je trouve que c'est vraiment bien parce que on peut faire plein d'autres choses et on peut quand même être en lien avec le sport. Je suis responsable de l'AS Jeune Officiel qui a lieu le jeudi de 13h à 14h, donc sur le temps du midi. Durant cette AS Jeune Officiel, donc ça nous permet d'encadrer et de créer les différents rôles que sont les rôles des jeunes officiels, jeunes organisateurs, jeunes secouristes, jeunes reporters, jeunes coachs, et ça me permet de les travailler semaine après semaine avec les élèves. Donc nous, dans notre AS, on a créé cette AS Jeune Officiel afin de toucher un public plus élargi, donc un public qui n'était pas forcément intéressé par les activités sportives que l'on proposait dans l'AS. Et on dit aussi que notre leitmotiv, c'est une AS pour les élèves et par les élèves. Donc je prends l'exemple du fait qu'on a une section sportive VTT dans notre établissement. Donc avec les jeunes officiels à côté, ça leur permet de vivre aussi les compétitions selon un autre regard que le regard du sportif. Ça leur permet donc d'organiser, arbitrer, sauver s'ils sont jeunes secouristes à côté de nos élèves de la section sportive. Et je dis aussi souvent que nos élèves de la section, ils servent nos jeunes officiels dans le même temps que nos jeunes officiels servent nos élèves de la section, puisque sans nos jeunes officiels, on ne pourrait pas organiser autant de compétitions et sans nos élèves de la section et nos sportifs, on ne pourrait pas emmener nos jeunes officiels sur les compétitions. Donc nous venons voir donc une capsule vidéo qui illustrait une démarche qui a été mise en œuvre donc au collège de la Plaine des Glacis à La Ferté-sous-Jouarre par notre second témoin, donc Madame Marion Guivarche, donc qui était enseignante dans ce collège précédemment et qui maintenant est directrice régionale adjointe UNSS, et elle a mis en œuvre donc une expérimentation dans un premier temps qui est maintenant un projet implanté qui place l'AS dans un axe d'une AS par et pour les élèves. Quel constat, Marion, vous ont amené à mettre en œuvre finalement ce projet ? Alors, le premier constat, c'est qu'il y avait peu de licenciés quand je suis arrivée dans l'établissement. Le second, c'est qu'on touchait surtout des élèves sportifs. Et du coup, l'idée, c'était aussi de toucher une autre population d'élèves, peut-être un peu moins sportive. Et il y avait aussi le fait que l'UNSS développe de plus en plus différents rôles, pas seulement le rôle de jeune officiel. Et du coup, c'est pas fait énormément dans les AS. Et c'était on s'est engouffré en fait dans cette option-là. Et voilà. Donc, à partir de ces constats, vous avez certainement mis en place des partenariats, des démarches. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez fait finalement ? Alors, en fait, au début, on a commencé surtout avec les jeunes reporters, en faisant un partenariat avec le CDI, donc la documentaliste.
Et puis petit à petit, on a ouvert à d'autres rôles. Et donc désormais, à l'heure d'aujourd'hui, on a une heure d'AS qui est dédiée à la formation des jeunes officiels. Donc elle se passe le midi pour toucher le plus d'élèves possible. Et du coup, on développe tous les rôles. Donc jeune reporter, jeune ambassadeur, jeune coach, jeune dirigeant, etc. Et en fait, du coup, ça fait que notre AS est une AS de loisirs parce qu'on a des activités de loisirs, une AS d'excellence parce qu'on a aussi une section sportive, et une AS, du coup, on va dire un peu plus intellectuelle avec différents rôles. Puis c'est aussi un lieu où les élèves vont construire des compétences qui sont autres. Hein. Exactement. Et est-ce que vous avez pu observer un effet, que ce soit sur le nombre d'adhésions ou peut-être sur le climat scolaire de l'établissement ? Alors, au niveau du nombre de licenciés, on a doublé notre nombre de licenciés en 5 ans. Et après, c'est aussi, ça a permis en fait d'avoir vraiment un véritable lien entre les élèves. Ça veut dire que on dit souvent que nos élèves en fait de la section servent à nos jeunes officiels et les jeunes officiels servent à notre section. Du coup, on a vraiment un mélange d'élèves. Et il faut savoir aussi que nos élèves en fait ont atteint quand même des niveaux assez exceptionnels parce qu'on a des jeunes officiels nationaux, mais aussi internationaux. On a des jeunes reporters qui ont été sur les gymnasiades de l'année dernière. Et oui, effectivement, ça permet aussi de valoriser leur parcours avec post-bac. Au brevet, ils peuvent très bien servir de leur expérience pour parler à l'oral de leur expérience. Et ça ouvre aussi des nouvelles vocations. On a une élève, par exemple, qui a ouvert une association d'écologistes. J'ai un élève qui est parti dans le cinéma suite au fait d'être jeune reporter. Enfin, ça ouvre vraiment... à différentes voies. Très bien, je vous remercie pour ce témoignage très intéressant. Nous allons passer à notre dernière invitée. Alors nous étions au sein des établissements scolaires, nous étions au sein des groupes ressources. On va prendre un peu de chance, si je puis dire. Et nous accueillons donc Monsieur Damy, donc Jean-Philippe Damy, directeur départemental UNSS dans le 93, donc la Seine-Saint-Denis, et qui va peut-être nous apporter un témoignage autour d'un outil qui a été mis en place dans son département. Donc Jean-Philippe, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste finalement cet outil ? Alors, il s'agit en fait de la charte départementale des AS. C'est un outil de pilotage que nous avons créé pour aider, guider à la fois les enseignants de PS et les chefs d'établissement dans le suivi de leur AS. Alors, ça a été particulièrement fait, à mon avis, en Seine-Saint-Denis, parce que nous avons beaucoup de turnover dans les équipes EPS, beaucoup de nouveaux collègues, donc il nous a semblé important d'avoir un guide pour eux, d'avoir un chemin à suivre ou des lignes à suivre. Si je reviens un petit peu en arrière, c'est quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années déjà au niveau de l'UNSS, 93, et qui a évolué au fil du temps. En fait, c'est lié totalement au plan départemental de développement du sport scolaire. Et tous les 4 ans, quand on retravaille ce plan départemental, on remet au point cette charte, les différents items qui sont dans cette charte, on les réactualise en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui était pertinent ou pas les années précédentes. Et également, c'est un outil qui a été co-construit. Il est co-construit au moment de ce plan, de l'écriture de ce plan départemental. Et donc, différentes personnes interviennent sur les réunions où on valide les items de la charte pour les années suivantes, coordonnateur de district, membre du conseil départemental UNSS avec les chefs d'établissement référents, IPR, enfin voilà. L'ensemble des personnes impliquées dans le fonctionnement du sport scolaire sont impliquées dans la création de cette charte et elle se développe sous deux formes différentes. Il y a une partie administrative qui est sur 4 points, si on rentre un petit peu dans les détails, et une autre partie sportive qui est sur 8 points. La partie administrative, c'est, sans rentrer vraiment totalement dans les détails, mais présence par exemple à la réunion des secrétaires d'AS ou à l'AG de district, validation du projet d'AS au CA de l'établissement. Et si on rentre dans la partie sportive, c'est la participation aux rencontres, aux grands événements ou la formation de jeunes arbitres, d'accord, par exemple. Donc le lien avec l'engagement, la responsabilisation des élèves est impulsé au niveau départemental. Exactement. Par cette partie, si je puis dire, pédagogique, sportive. Exactement. Et il y a un retour qui est fait fin août au chef d'établissement sur la réussite ou non des différents items de la charte. L'objectif pour nous, c'est que le chef puisse, dès la rentrée ou la pré-rentrée, en discuter avec son équipe EPS pour voir s'il y a des points d'amélioration à voir ou pas. Ça peut être aussi simplement pour les féliciter si la charte a été validée. On a 3 niveaux de validation de la charte, bronze, or ou argent. Et pour ces établissements, on envoie un diplôme pour valoriser un petit peu leur participation. Donc investir, moi, demain enseignant, j'investisse cet axe d'engagement. Je peux à la fois
apporter une vraie plus-value à mes élèves, mais également en faire un levier de développement de mon AS auprès donc de la départementale, mais également aux yeux de mon chef d'établissement. Oui. Est-ce que vous avez pu observer des effets finalement positifs, observables sur les AS? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a plus d'engagement sur les thématiques qui rentrent dans la charte. Et par exemple, sur cette dernière version de la charte qui date de 2020, on a rajouté des points bonus pour des actions sur féminisation, participation sur le sport partagé ou l'inclusion des élèves en situation de handicap, ou évidemment sur la période actuelle, sur les actions autour de l'olympisme, semaine olympique, journée olympique ou labellisation 2024. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément d'établissements de 93, un peu plus que dans les autres départements, qui s'impliquent sur ces différentes thématiques quand elles rentrent dans la charte. D'accord. Donc voilà. Ben, merci beaucoup pour ces précisions apportées autour de cette thématique liée à l'engagement. Je pense que voilà. Juliette, il y a des questions. Autant des questions-réponses. Voilà. Alors, je vais faire le lien tout de suite avec la formation des jeunes officiels, puisqu'on l'a évoqué, tu avais ce rôle de représentant de l'UNSS. La question, c'est comment est-ce que vous accompagnez justement les enseignants dans la formation des jeunes officiels? Est-ce qu'il y a à disposition des documents, des formations? Ces rôles sont de plus en plus variés, ils s'enrichissent. Comment vous pouvez accompagner les enseignants là-dedans? Alors, pour chaque rôle, il y a un livret qui existe, un livret national qui permet d'avoir les grilles, notamment du niveau départemental au niveau national. Et ensuite, là, progressivement, on est en train de mettre en place des formations. Donc, je vais commencer, moi, par les formations jeunes reporters. Et on va, au fur et à mesure, proposer des formations jeunes dirigeants, jeunes éco-responsables, etc. Et je vais compléter. Là, on parle des formations sur les différents rôles des jeunes officiels. Mais sur le rôle de base, jeune arbitre, jeune juge, on a des QCM de tous les niveaux, district, départemental, académique, qui sont, même depuis cette année, accessibles depuis Opus, c'est-à-dire l'espace en ligne de l'UNSS, et sur lequel les élèves peuvent s'entraîner individuellement en ligne déjà chez eux aussi. Il me semble me rappeler également que sur Opus sont accessibles des ressources qui ont été construites par la CMN autour des différents rôles. Et c'est vrai que spontanément, peut-être que les animateurs d'AS ne le savent pas, mais c'est une vraie mine de ressources. Donc allez-y, exploitez-les. Une dernière question. Qui est une question importante, puisqu'en fait, les collègues se posent la question, finalement, comment cet engagement des élèves dans les différents rôles ou à l'AS peut être valorisé dans leur parcours scolaire. Vous l'avez dit au niveau du DNB, au niveau de Parcoursup, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Alors, je vais peut-être apporter un premier élément de réponse. La notion d'engagement est vaste, hein. On peut aller sur de l'engagement lié au développement durable, mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'engagement associatif. Donc, quel que soit le niveau d'engagement, c'est une thématique qui rentre dans la construction du parcours citoyen. Le parcours citoyen, c'est un point d'appui qui peut servir aux élèves en collège pour construire leur oral au DNB. Donc, parler et s'appuyer sur son expérience d'élève, jeune organisateur ou jeune reporter ou jeune secouriste au sein de l'AS, permet de mettre en avant à la fois des connaissances et compétences et puis des domaines dans lesquels l'élève a pu vivre des choses et les faire valoir au moment de cet oral en lien avec les domaines du socle. Du point de vue du lycée, on a la fiche Avenir qui comporte 5 items et il me semble 6 items. Il me semble que le cinquième, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un item qui est lié à l'engagement. Et faire valoir une expérience au sein de son AS pour faire fonctionner l'AS, c'est vraiment mis en avant. Cette notion d'engagement est vraiment valorisée et recherchée dans le supérieur. Donc les élèves ont tout à gagner, sportif ou non sportif, parce que je peux être non sportif et m'intéresser au domaine du sport en tant que jeune reporter, par exemple. Je voudrais rajouter juste un mot là-dessus. Juste un mot. Parcoursup aussi. Parcoursup, on peut valoriser le parcours de l'élève avec les diplômes qu'ils ont acquis en termes de jeunes officiels. Voilà, c'est aussi un élément par rapport à ce que vous venez de dire. Et ça peut rentrer dans l'algorithme de certaines filières. Oui, c'était plus d'un mot, Patrick, en effet. Un grand merci à vous quatre. On va passer sur le dernier levier, qui est le levier de la communication. Et une petite vidéo de transition. Et on accueille nos prochains invités.
Dernier levier que nous allons aborder ensemble, c'est celui de la communication. Donc, on sait aujourd'hui que nous vivons dans une ère où l'on communique vite et de façon pluridimensionnelle, on va dire. Et donc, c'est vraiment un sujet qu'on a commencé à aborder déjà sur le pôle juridique, hein, avec le droit à l'image. Mais c'est un sujet qui nous intéresse en tout premier chef pour voir un petit peu comment on va faire en sorte et procéder pour se faire connaître notre action au sein de nos associations et bien au-delà. Nous avons parlé tout à l'heure du partenariat, faire connaître nos actions auprès de nos partenaires. Et pour débattre de ce dernier volet, donc de dynamisation, on accueille alors Cédric qui est bien évidemment notre invité omniprésent puisqu'il a aidé à l'organisation. Cédric qui est plus particulièrement affûté sur cette question de la communication, qui va nous présenter ses invités et donc conclure ce séminaire par cette thématique de la com. Alors merci Patrick. Alors je suis entouré de Jacqueline Feton. Que Jacqueline Chest te présenter. Alors, je suis Jacqueline Feton, je suis principale d'un collège REP, le collège Roger Martin du Gard à Épinay-sur-Seine dans le 93. Très bien. Et de Vincent Peltre, professeur d'EPS. Voilà, au collège Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne. Voilà, et j'ai une AS Ultimate. Alors, la communication, premier point, on s'est beaucoup questionné au niveau des services sur les modalités de communication pour mieux toucher, mieux accompagner les associations sportives dans leur fonctionnement quotidien, dans leur développement. On a développé plusieurs outils. Donc, le premier, je pense que c'est important vraiment de l'utiliser, et c'est le site internet qui a été mis en place sur le site UNSS Créteil, dans lequel vous trouverez tous les éléments qui peuvent vous accompagner dans le développement de votre association sportive. L'idée est que toutes les questions à vos réponses soient présentes en 2-3 clics sur le site. On fait des liens avec Opus, qui est notre outil en fait d'inscription aux compétitions, de fonctionnement. On fait des liens directs pour faciliter justement l'accès à la communication. Et derrière tout ça, on a des propositions de formation pour les enseignants, on a des propositions de billetterie, on a des programmes pour développer l'inclusion, on a du prêt de matériel. Par exemple, vous souhaitez développer du basket fauteuil, du rugby fauteuil, on peut prêter gratuitement des fauteuils dans les associations sportives. Enfin, il y a toute une liste de matériel qu'on est amené à vous prêter, de la billetterie, voilà. Bref, énormément d'informations qui sont des mines d'or pour votre fonctionnement au quotidien. N'hésitez pas à vous en emparer. Nous, on le réactualise en permanence. On essaye de faire en sorte que cet outil soit un outil vraiment à votre service et qui puisse avoir un impact réel dans votre quotidien sur votre fonctionnement. Derrière ça, on a aussi développé un calendrier en ligne, un Glide qui est accessible des téléphones portables, smartphones, ordinateurs. Et là, vous avez accès à l'ensemble des calendriers, alors des trois services départementaux et services régionaux. Chaque service a son Glide. Et nous, on fait le lien avec l'ensemble aussi des services sur notre Glide. L'idée, c'est que vous puissiez avoir en temps réel, en 2 clics, l'information sur tous les calendriers d'action, de projet, calendrier académique, départementaux, et que vous puissiez construire comme ça vos plannings. Et dernier point, et j'en finirai pour les informations qui sont assez descendantes, qui essayent de vraiment toucher l'ensemble des associations et de vous accompagner, c'est notamment les réseaux sociaux. On essaie d'être très présent et de communiquer pour valoriser toutes les actions qui sont faites et pour communiquer dessus, donc à travers Twitter, Instagram, Facebook. Voilà. Là, on va à présent faire un zoom et vraiment redescendre au niveau très local sur les associations sportives et prendre le temps de voir comment les associations sportives est organisée la communication et en quoi cette communication peut être un levier au développement et à la dynamisation des associations sportives. Première question pour Vincent Peltre. Comment, Vincent, communiquez-vous sur la vie de votre association sportive et comment informez-vous vos élèves dans votre établissement sur les différentes activités de l'association sportive ? Alors l'objectif, c'est d'être omniprésent au niveau de l'information auprès des élèves et auprès des parents d'élèves. Donc ça commence très tôt dans l'année, tout simplement. Déjà dans nos cours de PS, où verbalement on va informer
tous nos élèves de toutes les classes, comment les activités qui existent, les créneaux. Voilà, le but du jeu, c'est de faire un maximum de publicité. On a pour ça également un flyer bien imagé, qui est attrayant, avec toutes les informations essentielles, et feuille d'inscription. Donc on vise énormément les classes de 6e là, qui arrivent dans l'établissement, qui ne connaissent pas ce que c'est que l'association sportive. Donc là, on le donne à tous les élèves de 6e. Puis après, dans les autres classes qui connaissent déjà, on donne à ceux qui sont motivés. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, on a une réunion, on double toutes ces informations par Pronote, auprès des parents d'élèves, parce que bah, forcément, les élèves vont pas toujours relayer l'information à leurs parents. Et puis, on a la première réunion parents-professeurs qui arrive très vite. Et là, voilà, toute l'équipe pédagogique EPS va communiquer avec, à nouveau, les flyers. Voilà, l'objectif étant d'être redondant à ce niveau-là. Et puis, on finit, entre guillemets, cette phase de séduction lors de la journée du sport scolaire. Notamment, on consacre, on banalise la matinée à toutes les activités. Le but du jeu, c'est que tous les élèves de 6e, notamment, découvrent les activités de l'association sportive sous forme d'atelier de 30 minutes. Et ça fonctionne énormément parce que, en fait, un 6e, quand on lui parle, il ne sait pas ce que c'est, il ne l'a jamais vécu. Par contre, quand il a vécu, comme par hasard, là, il y donne du sens. Et là, en général, c'est là où on fait vraiment les inscriptions auprès de nos chers 6e. Et puis après, pour communiquer durant l'année et valoriser tout ce qui s'y fait, on a deux supports essentiels. On a le site de l'AS, avec une application gratuite. Donc les collègues qui veulent savoir, c'est simple, ils trouveront sans problème. C'est assez facile et fonctionnel à mettre en place. Donc là, on y met toutes les informations, notamment pour les parents d'élèves. Comme ça, ils connaissent les créneaux, s'il y a les calendriers des compétitions, etc. Là, donc tout ce qui est utile. Tous les reportages, on a un groupe de jeunes reporters. Donc pareil, ils vont faire des montages vidéo, des articles. Tout ça est mis sur le site de l'AS. Et on double ça par une page Facebook sur les réseaux sociaux, où là, également, ça permet d'avoir une meilleure visibilité et autrement. Voilà. Très bien. Madame Fetton, dans votre établissement, comment faites-vous pour toucher le plus grand nombre d'élèves, et notamment les élèves qui sont non licenciés ? Alors, d'abord, on va quand même présenter un petit peu rapidement l'AS de mon établissement, le Collège Roger Martin du Gard, qui est une AS très dynamique, puisqu'on a 36% de licenciés. Donc, c'est vrai que les élèves licenciés sont au courant des activités de l'AS. Et le but, c'est de valoriser ce que fait l'AS pour que les autres élèves qui ne sont pas licenciés puissent être attirés et participer aux activités de l'AS. Alors, la configuration du collège nous permet, dès l'entrée du collège, dans le hall, d'exposer les coupes qui ont été remportées lors des compétitions de l'AS. Ensuite, les professeurs de l'AS affichent les photos, les calendriers également des activités. Nous avons également affiché en grand le logo Instagram qui est visible et accessible aux élèves non licenciés et qui leur permet de voir ce qu'ont fait leurs camarades lors des championnats. Ça leur permet également de voir les activités qui sont programmées et rétrospectivement de voir ce qui a été fait tout au long de l'année. Au sein de l'établissement, il y a également un t-shirt qui a été floqué au logo de l'AS qui est visible et accessible à tous les élèves, y compris les élèves qui ne sont pas licenciés. Et alors, concernant la communauté éducative de votre établissement, en fait, comment, quels moyens de communication utilisez-vous ou avez-vous développé pour informer de la vie de l'association sportive ? Alors, évidemment, les adultes, eux aussi, ont accès à tout ce que voient les élèves qui ne sont pas licenciés. Mais dans l'établissement où j'étais précédemment, nous avions un journal hebdomadaire. Et c'était par le biais de ce journal qui était vraiment diffusé à l'ensemble de la communauté scolaire, donc tout personnel confondu, qui retraçait, entre autres, les activités de l'AS. Donc là, j'arrive dans cet établissement et on reprend cette même idée du journal hebdomadaire pour pouvoir communiquer sur les activités de l'AS en interne. Très bien, merci. Alors là, on passe aux parents d'élèves. Comment mieux les associer, en fait, à la vie de l'association sportive ? Est-ce que vous avez développé
des stratégies pour les associer à la vie de la S. Alors, voilà, donc c'est un peu la difficulté, c'est amener les parents avec nous, autant les élèves dans le bureau directeur, ils sont porteurs de projets comme autour des jeunes reporters. Mais c'est vrai que les parents, c'est un peu plus difficile. Donc nous, on a utilisé comme outil l'Assemblée Générale, hein, qui est un outil, on va dire, classique. Mais l'idée, c'est d'amener les parents dans cette Assemblée Générale et qu'on puisse vraiment discuter, échanger. Donc on a deux temps forts. On a le premier temps fort en début d'année où le but du jeu, c'est mettre en place le bureau directeur, présenter les activités. Donc pour attirer les parents, on organise un moment convivial autour d'un barbecue le mercredi midi. Ça permet d'avoir du monde qui vient. Et puis surtout, ça permet de vraiment échanger avec les parents, de leur présenter autrement et qu'ils nous voient sous un autre visage et que ça leur donne envie d'avoir des idées, d'être force de proposition. Et puis en fin d'année, on fait le bilan. Ce qui est important, pareil, pour attirer les parents, on fait ça autour d'un pot en soirée plutôt, où ils puissent être plus disponibles. Et là, l'idée, c'est de valoriser les élèves pour donner de l'intérêt aux parents. On a un groupe de jeunes reporters. On essaye là tous les montages photos, vidéos, de leur montrer, de montrer aux parents. Et on fait une remise des récompenses. Voilà, l'objectif étant de valoriser le travail fait, l'investissement, les résultats de nos élèves et que ça leur donne envie d'être force de proposition pour... c'est sûr que quand on voit ça, on se dit, tiens, moi, j'ai peut-être des idées, c'est super ce que vous faites. On essaye de créer de l'envie chez les parents. Alors justement, on va voir, n'y a-t-il pas un enjeu d'ouvrir davantage au niveau de cette valorisation? En quoi les instances peuvent justement contribuer à valoriser les projets de l'association sportive? Alors effectivement, l'association sportive a une particularité, c'est que c'est une association loi 1901, mais le chef d'établissement est président de cette association. Et donc le bilan de l'association, le projet de l'AS sont présentés lors du CA. Et lors du CA, ça nous permet d'assurer une pérennité avec les collectivités territoriales, une collectivité de l'État, un soutien de l'État, ce qui n'est pas forcément le cas quand l'association n'est pas présidée par un chef d'établissement. Donc effectivement, ça nous permet de mettre en lumière et de dynamiser les activités lors de la présentation à tous les membres du CA, y compris aux collectivités territoriales, qui sont encore une fois un soutien important pour l'association sportive. Bien, merci. J'aurais juste une dernière question. Est-ce que, justement, au niveau de cette communication externe, vers l'extérieur, est-ce que vous l'exploitez? Quel est l'enjeu, l'intérêt pour vous et comment? Rapidement. L'objectif, c'est de valoriser un peu l'établissement et nos élèves. Et donc, notamment au travers de la page Facebook, ça permet d'être... Et auprès de nos instances, du coup. Et la page Facebook permet d'être relayée, partagée par le service départemental, le service régional. Donc, dans le petit monde de l'EPS, ça permet de montrer la bonne dynamique de notre AS. Et puis également au niveau de la commune, au travers du journal de la commune, tout simplement, où on propose des articles dès qu'on a des résultats. Et ça, c'est sûr, là, du coup, on touche les citoyens de la commune, les parents qui sont vraiment fiers de voir apparaître les élèves, exactement. Et les élèves, forcément, toute la famille, tout le monde est content à travers eux. On va se tourner vers Juliette, qui va nous proposer une question. Oui, je vais essayer de synthétiser plusieurs questions en une, puisqu'il y avait... des questions qui concernent essentiellement les outils de communication qu'on peut utiliser. Là, vous avez parlé d'énormément d'outils, des glides, des réseaux sociaux, Facebook. Enfin, voilà, on a des collègues qui s'interrogent sur quel outil vous pourriez suggérer pour ne pas inciter les collégiens de moins de 13 ans à se connecter aux réseaux sociaux. Et pourtant, on voit que c'est ce qui a l'air de vraiment fonctionner pour dynamiser vos AS. Moi, je dirais un outil, déjà, le site Internet, c'est un outil qui peut être descendant, c'est-à-dire qui peut informer et qui ne nécessite pas d'engager des likes, des débats, des... Voilà. Donc déjà, si l'association sportive arrive à avoir un site Internet, sans forcément que ce soit le très, très technique, mais un site simple, qui communique de toutes les actions qui sont faites le mercredi, parce que malheureusement, trop souvent, il y a des très belles choses qui se font dans les associations sportives, mais même en interne, dans la communauté éducative, personne n'est au courant. Et donc, cet outil permettrait justement de valoriser ce qui est fait
et sans forcément jouer le jeu des réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, ils existent. On a des pages Instagram, on a des pages pour communiquer aussi, mais on n'est pas dans des débats. On est juste, nous aussi, dans du flash, dans de la communication. Là, il y avait aujourd'hui une action Hand pour elle, académique, de 200 collégiennes Benjamin à la Maison du Hand. On a fait deux, trois photos vidéo qui sont valorisantes pour elle. Mais derrière, ça n'engage pas des débats, des échanges. Voilà. C'est juste pour rendre compte de choses qui sont faites. Voilà. Un grand merci à vous trois. Il est maintenant largement le temps de conclure et de boucler ce séminaire. Je vais vous inviter à maintenant laisser la place à notre collègue François Micheletti qui va m'aider à conclure ce séminaire. Alors, on a bien évidemment dépassé sur les horaires. On s'y attendait un petit peu. On s'en excuse. Mais à la fois, je pense que vous serez les premiers à admettre qu'on a eu des débats extrêmement riches ce soir, des pistes de vraiment utiles et concrètes pour dynamiser les AS, des informations utiles également. Donc oui, d'accord, on a été un petit peu plus long que la normale, mais en tout cas, sachez que vous pourrez donc revoir très rapidement l'ensemble de ce séminaire sur notre chaîne YouTube en replay et inviter bien sûr à faire connaître à vos collègues, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ce soir avec nous, de faire connaître donc cette possibilité de rediffusion. François, je te laisse le mot de la fin. Merci Patrick. Donc effectivement, on arrive à la conclusion, il me revient de conclure ce webinaire. Déjà remercier l'Académie de Créteil dans son intégralité, à la fois son recteur, les corps d'inspection. Bravo pour le travail que vous avez conduit dans le cadre de ces séminaires, le corps d'inspection dans son intégralité, mais aussi les techniciens qui, sans eux, ce webinaire n'aurait pas pu être réalisé. Donc merci à vous aussi, aux enseignants d'EPS, aux chefs d'établissement qui étaient là aussi présents, les témoignages d'élèves aussi qui étaient vraiment très 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 intéressants. Un certain nombre de choses ont été dites sur la dimension juridique, réglementaire. Effectivement, les chefs d'établissement, présidents des associations sportives ont beaucoup de questions sur la dimension de la responsabilité juridique en qualité de président des associations sportives. Et je pense que vous avez amené un certain nombre de réponses qui devraient aussi les amener à être sécures par rapport à ça. Et je crois qu'on a aussi intérêt dans les territoires à accompagner, dans le cadre de la formation peut-être initiale et surtout continue des chefs d'établissement, intégrer dans le PAF de la formation des chefs d'établissement la question de l'AS dans les établissements scolaires et la question de l'UNSS. Ce serait vraiment un élément aussi important. Ça se fait dans certaines académies d'ailleurs. Vous avez eu aussi des témoignages d'élèves, d'enseignants qui proposaient effectivement de vraies innovations. Et je crois que la période du Covid a empêché un certain nombre de pratiques traditionnelles du sport scolaire, mais a ouvert peut-être sur de nouvelles formes de pratiques parce qu'il a fallu s'adapter. Et on a peut-être aussi réattiré d'autres élèves par ces pratiques nouvelles. Et je crois qu'il faut s'appuyer aussi sur ces nouvelles formes de pratiques pour continuer à démocratiser toujours plus et mieux la pratique du sport scolaire. Elle s'adresse à la fois à des élèves qui ont des motivations autour de la compétition. Et il y a des compétitions, mais elle s'adresse aussi aux filles. Elle s'adresse aussi aux élèves moins sportifs. Elle s'adresse aussi à des élèves qui, par le sport scolaire, et on l'a vu à travers les différents témoignages, ont des responsabilités en tant que jeune officiel, jeune reporter, jeune organisateur. Donc c'est ça aussi le sport scolaire. Voilà, je ne ferai pas plus long parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Merci Patrick pour la coordination et l'animation de ce webinaire. Et puis voilà, continuons ensemble parce que c'est ensemble qu'on arrivera à préserver cette belle spécificité éducative et originalité de notre système éducatif qu'est le sport scolaire. Voilà, merci, à très François. Bientôt. Merci, à très bientôt.